c'est pas mieux. Visiblement. Visiblement, c'est un peu gaze, hein. Visiblement. C'est marrant. Ouais, ton casque, enfin ton micro a fait un joli bruit incroyablement strident et voilà, c'est reparti. Tu es parti dans les ténèbres, je ne t'entends plus. Bien. Sinon, bonsoir à tous, petit live League of Legends. Allô. Allô, oui, c'est bon, je te réentends. Est-ce que ça va ou non? Ça a l'air de toujours faire le bruit. Ça fait... Enfin, va voir mon stream et tu... Enfin, non, bah non. Bah si, je suis en stream. Va voir mon stream et tu vas voir quand tu parles ce que ça donne. Je sais pas sur Twitch, moi. Oui, mais c'est pas grave, tu peux regarder quand même sans être sur Twitch. Comment on fait? Tu tapes Discord? Twitch. Oui, depuis mon Discord. Bah oui, c'est vrai que depuis mon Discord... Oh, par pitié, mais les bots, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Une seconde. Oui. Alors, est-ce que ça fait du bruit? Non, ça va. Bah, t'entends pas le... T'entends pas le bruit blanc? Non, j'entends pas le bruit blanc. Comment ça, t'entends pas le bruit blanc? Ça peut... Alors, c'est de ma faute? Genre, les autres, moi, je les entends parfaitement. Il y a que toi qui a des voir. Problèmes. Est-ce que Lucas, tu entends des bruitages? Est-ce que Lucas... Ah, Lucas est là. J'entends vite fait. Est-ce que t'entends pas un gros bruit blanc dérangeant. Ah, moi, pour moi, c'est dérangeant. Bon, alors déjà, je vais arrêter de regarder le Twitch, là, parce que... En vrai, je l'entends sur mon stream, hein. C'est fort. Ouais. Bien, écoute, je peux me mettre en appui pour parler, si tu veux. Non, ça sera trop chiant en jeu. Mais je vais faire mais un je truc. Comprends pas, en fait, pourquoi... Mais attends, mais moi j'entends pas ça super fort, hein. Bah, moi je l'entends de façon super fort et sur mon stream on l'entend aussi. Attends, peut-être en mettant la suppression du bruit. Mais c'est ce que non, mais justement je l'ai enlevé. Ah. Parce que c'est ça normalement qui fait tout bugger, c'est suppression du bruit machin. Bah moi je continue de l'entendre malgré tout. Essaye de le remettre. Parce que là c'est mieux. Oh c'est parfait. Oh c'est incroyable. J'adore. Bon, bah, ça avait bugué alors. D'accord, bon, c'est rien, c'est la faute à Discord alors. Ouais, c'est un peu la faute à Discord. Des anticups. Des anticups. Ticup étant un chat. Alors, je suis en stream, voilà, donc toute phrase sortant de son contexte sera bien sûr vivement réprimandée. Oui, oui, mais c'est pas mon genre. Par exemple, je vais commencer avec Je suis plat 3 et pas vous. Voilà. Alors, tu vois, ça par exemple, c'est réprimandé, mais pas par Twitch, tu vois, c'est réprimandé par moi, notamment. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si je jouais un Yasuo support? Décop. Ah bah, attends. Alors, déjà, c'est de la merde, c'est vraiment à chier. Et, attends, j'ai fait un S+, avec, donc ça veut bien dire que c'est fort. Hein. Non, non, mais tu n'as pas joué Yasuo support, j'ai vu tes items, tu n'as pas joué Yasuo support. J'ai joué Yasuo support. Mais non, tu n'as pas joué Yasuo support. J'ai tapé Yasuo support. Yasuo. Oui, mais j'ai tapé Yasuo support sur internet. Et ils me disent que c'est ça le build. Alors, qui me ment? Faut le buter ce mec. Hein. Mais non, tu n'as pas joué Yasuo support. Écoute. Avec ton stuff, tu n'as pas joué Yasuo. Oh, je m'entends un écho sur ton stream, c'est horrible. Je suis trop con. Qui je dois croire? Une personne qui a fait un truc sur internet? Ou, mon... ou, un, ou une un... personne qui joue depuis la saison 3 à League of Legends? Oh là là, j'adore. Mais oui, du coup, c'est. Bah, écoute, j'ai utilisé ce build et il est très fun. Donc, je vais le jouer ce soir. Non, pourquoi ouais. Tu m'invites en arena? Parce que non. J'ai envie de faire de l'arena. Mais non. Bon, bah, tu joues à Mumu, je joue. Au moins, on ne verra pas. Fiché. Non, non, de Yasuo support. Ah bah écoute, je joue Yasuo support, moi. Je prends que des items support. Pas, toi. Hein. Il est où? Pourquoi Flynn ne vient pas dans le local? Ah mais je l'invite pas, surtout. Bah écoute, vire-le, je sais pas, fais un truc. Genre, tu le bloques, tu le kicks. Voilà. Oh, salut ouais, Florian Uchiwa. Lance ton cul, là. Non mais lui il est dans Salut, Dofus là, moi. Il est dans Dofus où tu te mettais dans un donjon et tu bougeais partout pour pas te faire kick.
Regarde-le là. Non mais je te jure, regarde-le. Insupportable. Je crois que je vais pas réussir à lui cliquer dessus. Insupportable cet enfant quand même. Hop là, allez, salut. Attends, il a 4700 points, hein. Il a 4700 points en arena lui. Bah quoi, t'as 3600, tu crois pas que... Le... Mais c'est pas moi. Ah oui, non, d'accord. C'est toi le problème. Il l'a bloqué carrément. Il l'a bloqué. Genre, il l'a bloqué, genre... Parce qu'il le déteste. D'ailleurs, je vais lui dire. Attends, du coup... J'aurais pu laisser être dans notre groupe. Mais non, 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 parce qu'en fait, lui, il va arriver, il va tryhard. En fait, il a tryhard le mode de jeu, ça va pas être marrant. Voilà. Il va sortir que des persos qui sont méta, moi, j'y connais rien. Je révèle la supercherie au monde et je dis que non, je dis à Benjamin que c'est pas le problème. En plus, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi parce que s'il vient sur ton stream, tu sais très bien qu'il va dire des gros mots que t'as pas le droit de dire. C'est vrai, c'est vrai. Et je serai obligé dans l'obligation de le mute. Ah ouais, si je le mute, vous pourriez passer une bonne soirée ensemble. Oh Florian, tu sais que je bug de zinzin là. Ah ouais. Ouais. Attends, ça y est. J'entends le bruit que ça tag et non, sur le jeu, j'entends le bruit que ça tag et après je vois le bouton accepter 5 secondes après genre. Mais là c'est bon. Je t'en salon. Tout d'OBM. Tickup, elle aime trop la pâtée, je crois, parce que là elle est sur mes genoux, elle en peut plus. Salut, ça va, je passe dire bonjour mais je lance pas car je ne supporte pas League of Legends. Oh désolé. Non. Il n'y a pas de souci, Phantom of the Light. Je déteste League of Legends aussi, je joue juste parce que je joue avec des personnes appréciables, c'est tout. Voilà. T'es un sacré menteur quand même, hein. Bah écoute, je joue des persos faciles, voilà. En plus, j'ai même pas banni. Bah non, Florian, écoute. J'avais une question pour toi, Florian. Ouais. Yasuo ouais. Support. Ça existe pas. Est-ce que c'est... Voilà, merci, merci. Non, mais non, mais... Après, est-ce que... Attends une seconde. T'es quel rang, toi, Florian? Moi, je suis Fer 4. Ah, bah voilà. Mais écoute, moi, je suis Platine 3, tu vois. Donc, okay, tu vois, en Platine... Mais le jeu. Mais tu vois, en Platine 3, eh ben, il y a des choses qui se font. Écoute, Miss Fortune, allez hop. Voilà. C'est quoi ce que tu voulais faire, Lucas? Et donc, du coup... Mais surtout, l'objectif de la game, c'est de trouver Tanguy et lui rouler dessus toute la game, je crois. Petit indice, j'ai eu dans un coffre un skin à 200 balles. Là, tu joues Miss Fortune, là? Non. Je vois pas ce que tu veux dire. Il joue le skin à... Il a eu le skin à Ultime, là, sur Miss Fortune, dans un coffre. Ce chien. Ouais, Miss Fortune, tu vas faire top 8 avec Miss Fortune. Oh là là, ne seriez-vous pas le carapateur? Oui, nous sommes le carapateur. Pourquoi je sens que vous êtes des énormes rats? Pourquoi? Pourquoi je vois Volibear et Ramus? Pourquoi je vois Volibear et Ramus et je les déteste? Non, mais c'est vrai que Miss Fortune, ça va être hyper dur. Hein. Bonne soirée. Bah, merci à toi, en tout cas, Fantôme. Un de ces jours, merci, Fantôme, je sais pas si t'es encore là, mais un de ces jours, je ferai Persona 5 Royal parce qu'apparemment, c'est... Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de continuité dans les personas. Et ça m'intéresserait de commencer. Voilà, je ne sais pas si tu es encore là, mais maintenant tu le sais. Si jamais tu es encore. Question. Est-ce que vous avez vu le jeu, un peu comme Overwatch, là, sur l'univers de Marvel, là, qui va sortir? Bah écoute, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu vite fait. Et clairement, c'est vraiment la DA d'Overwatch. C'est exactement pareil que Overwatch. C'est la DA d'Overwatch. Mais genre, vraiment, mais. Pour le coup, genre, je trouve que le gameplay a l'air fun. Le problème, c'est que c'est en troisième personne et ça... Moi, les FPS troisième personne... voilà, quoi. Alors, c'est... Bah, c'est quoi, Flo, qu'on avait joué? Oh oui. Quoi? C'était quel jeu, déjà? C'était Rogue Company, non? Qui était comme ça, en troisième personne, non? C'est quoi, shooter en troisième personne? Rogue Company, mais tu dis Rogue Company. Attends, c'est quoi, déjà? C'est le jeu auquel on jouait pendant le Covid, là. Où t'avais... Chaque perso avait un pouvoir spécial. Moi, genre, je pouvais rester à distance, par exemple. Après, il y avait... Ça me dit trop un truc, mais je vois pas visuellement comment c'était. Il y avait un mec, c'était un hacker. Il avait un masque et il avait une capuche. Et il pouvait hacker ta console, truc comme ça. Ah, mais oui. Mais oui, on jouait avec Quentin. Oui, voilà, c'était la grosse plateforme. Ah oui, mais il était incroyable, ce jeu. Ouais, oh, il était trop bien. Mais c'était en troisième personne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'était trop, trop bien. Ouais. Putain, j'avais carrément oublié ce jeu. Il a duré juste le temps du confinement, je pense. Mais l'avantage, c'est que c'était un jeu cross-platform, et ça, c'était trop bien.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il va falloir que j'utilise la capture de fenêtre pour qu'on puisse voir League of Legends. Enfin, vraiment, c'est mal foutu League of Legends. Bon, après, pour qu'on voit ton écran en noir et blanc, bon. Mon écran en noir et blanc. Pourquoi? Il faudrait d'abord que je meure. Parce que, en fait, Il y a plus d'énergie ce que que vous oubliez, ce que vous oubliez lui. facilement, les gars. Vous oubliez facilement, les gars. D'ailleurs, pourquoi je vois C'est pas que mon je écran? suis super fort parce que mon rank est Emerald. Non, ce que pas du tout ce que j'allais dire. Ce que Ah. j'allais dire. Oh, bonjour. Excusez-moi. Attendez une seconde. Déjà, j'essaye de mettre. Pourquoi j'arrive pas à trouver? Pourquoi j'arrive pas à le trouver? C'est débile. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Je serais pas permis. Moi, Excusez-moi. mais Genre, attendez. Attendez, excusez-moi. Il y a un. Oui, Windanson. Merci Windanson pour le follow. Excuse-moi. Je cherche à montrer mon écran, bordel. Où est-ce qu'on Oh va? Non, on putain! démarre pas la caméra Ça virtuelle. commence, Tanguy, ça commence, fais gaffe. Ouais, je sais, je sais. Attends. Let's go. Hop, c'est Oh là là, parti. Florian. Regarde ce que j'ai vu. Attends, j'ai regardé, j'ai regardé. C'est quoi? Oh là 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 là, mec, ça va être trop. Je crois que c'est pas ouf. C'est cool, mais c'est pas ouf. Ah, Va oh, prendre c'est pas mal, ça. c'est ton C'est personnage. vraiment marrant, toi. Mais du coup, c'est. MF et qui? Galio. Ah Galio. oui, ne J'ai soupçonne. oublié d'acheter mon item, j'ai pas eu le temps. Non, ah, c'est pas grave. Bonjour. Je... On est censé les go quand ils sont comme ça? Non, faut bolo, tu penses. Oh non, je le déteste lui, oh là là. Par contre, va falloir qu'on parle un moment de. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Je vais prendre Nasus. le heal. Je sais plus comment il s'appelle. C'est terrible. My bad. Vas-y, mais il est trop fort, lui. Quand il est provoqué et Ouais, tout, je pas peux pas le mal, hein. toucher. Je vais pouvoir me raise avant qu'il ne la raise en plus. Faire Il des est heal en dégâts, hein, plus, Tanguy, ok. hein. Ouais, je sais, mais je me fais péter le cul et j'essaye Incroyable. de survivre. J'essaye de survivre et en plus de ça, j'étais déconcentré Ok, parce que hein. j'essaye désespérément de montrer mon putain d'écran. Voilà. Voilà, c'est trop dur. Attends, pourquoi? Genre, Trop tout fort Mordeau au simplement, début là. pourquoi? Voilà. Donc ça, voilà. Ensuite, je suis obligé de fermer Twitch et de le rouvrir pour voir mon écran. Ça, c'est terrible, par contre. Bon, attends, j'ai le temps, remarque. Vous Donc. comptez faire que de l'arena ce soir? Attends, je réponds à Ben qui nous met une tempête apparemment. Surtout Tanguy avec ton putain de Yasuo support en plus. Je crois que t'as mis Chichi en colère, je crois. Mais pourquoi on voit ce putain d'écran? J'en ai marre. C'est bon, il y en a Bah, je sais marre. pas, Virgile. Pourquoi tu n'apprécies pas l'arena? Parce que c'est de la merde. Parce que Tout tu n'es simplement. pas Emerald sur ce mode de jeu. Eh oui, voilà. Je suis un peu vexé quoi, parce que je suis pas émeraude ici, vous savez. Par contre, si on va en partie un peu plus normal quoi, parce que c'est pas un mode Oh de jeu là normal là ça, là quand même. là là là. Ça, c'est un petit peu un mode de jeu pour les gens un peu bizarres quoi. Qu'est-ce qu'il a, hein? Volibear. Moi, je sais pas comment ça se fait que je meurs. Faut le tuer lui. Non, je vais mourir. C'est fini. Oh là là, mais le mec qui survit avec un PV, ça me casse les couilles. Ouais, bah je pense qu'écoute. Bon. En vrai, Mais attends, devant qu'est-ce qui se l'huile. passe? On perd les Et deux l'huile premières derrière. comme ça, mais une fois qu'on aura nos ults et tout, ça va aller mieux. C'est quoi ton ult toi déjà? C'est un stun? Je sais même plus ce que c'est, Galio. Le truc qui envoie en l'air là, Galio. La protection. Ah, s'il envoie en l'air, c'est parfait ça. Mon ult plus ton truc là qui envoie en l'air, ben c'est pixel. Faut viser le premier, enfin faut viser celui qui est le plus faible. Pour l'instant, j'ai pas encore de peiné d'armure. Ah Vraiment, je dommage. C'est je trop dur. passe. On manque de dégâts au début.
Je sais pas ce Tente qu'il a comme autour de ça. lui, mais le Ramus, il fait peur. Ouais, ça fait mal hein, ce qu'il a. Bah, il m'a fait 900 avec ça. Et d'ailleurs, d'excitation. D'accord. Est-ce que si je prends ça avec Miss Fortune, ce serait pas un peu bizarre? Tu veux être excité avec Miss Fortune? Mais non, mais oui, mais c'était subtil, quoi. Ah, pardon. Utilisable 2 fois par manche, le talisman de l'ascension. Intéressant. Ah, mais c'est des stats aléatoires. Hein. Je vais plutôt prendre le médaillon d'excitation. Est-ce que je fais des dégâts magiques autres qu'avec mon E, avec Miss Fortune? Bon, R aussi. Sur le Q et sur le R aussi? Le R aussi? Nickel. Moi, je pense Ouais. que... Ouais. Et Bon, j'ai voilà. pris l'éternel, franchement. Ok, j'ai mon ult. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça va bien se passer. Ouais, bah au moins il pourra. Oh oui, faire vas-y. Oh oui, vas-y. On Regarde balance tout pas, là. est-ce que tu veux R pas à instant? Ouais, t'as raison. Tu peux te cacher derrière les clones, je pense que les clones peuvent prendre pour nous. Si tu R. Je la go, elle. Vas-y, vas-y. Ouah, ouah. Non, ok, il m'a ult, je suis mort. Oh là là. Mordekaiser quand même, par contre ça va être problématique. Bah ouais, je vais commencer à prendre de la peine et d'armure. Hein. C'est terrible. Je peux vendre mon médaillon pour 2000 pièces. Oh. Charles, je vais te donner un bouclier. Ah putain, mais pourquoi t'as pris ça? T'aurais pas dû prendre le médaillon d'excitation. Bah j'avais pas grand chose et j'avais oublié que je pouvais reroll aussi. Hein bon, du coup, vous avez gagné. Ah, autant par contre ce qu'il a pris, c'est très très bien. Promesse empyrienne là qu'il a pris Galio, c'est. Bah ouais, mais je peux pas l'utiliser parce que quand t'es immo, tu peux pas l'utiliser. Contre Morgana, j'ai été immo bah, la totalité du jeu. Ah. Parce qu'elle a pris tout en réduction de temps de recharge. Vend bah, tes. Vend elle a spammé bouts. Son immo sur Mike. Prends des sandales de mercure. Pour t'éviter ça. Ok, bon, je vais partir sur le percepteur déjà pour commencer, je pense, pour percer l'armure, c'est très bien. Objet de tireur légendaire. Vous aussi automatiquement une sélection soumettoire pour un objet de tireur légendaire. Bah voilà, ça c'est parfait. Je vais vendre mon médaillon et je vais acheter ça. Voilà. Donc j'ai quoi? J'ai poignard de statique. Ok. J'ai 30 peine d'armure avec ça, inflige dégâts magiques, applique hémorragie, super. Bah écoute, je prends ça. Mortel, ça m'a l'air d'être cool. Contre qui là? Azir, Gwen. Faut que je choisisse, hein. Ouais. Je pense que de toute façon, on peut le. Le Vladimir, c'est peut-être le moins dangereux comparé à la Brigard, je crois. Voyons. Vas-y. Ah, il prend tout, il prend tout! Il a tout pris! Oh non, je suis mort. Ok, d'accord, il m'a tué après coup. Je sais pas si le fait de mourir, ça c'est embêtant, mais. Par contre, double ulti. Ouais, double ulti, c'est fort. Vous et êtes lesquels? Voilà. Ah, vous êtes. On a explosé le bra bien la joué. Braillard et le Vladimir. Vladimir, il faisait pas de dégâts. La Braillard, elle a pas joué. Elle a claqué son ult d'entrée de jeu. Elle s'est fait éclater. Ouais, de toute façon, Braillard, il faut que, faut que vous la focussiez. Ouais, regarde, ça si pue prend l'avantage, c'est dur. Et puis t'as bien fait de prendre de l'anti-heal. Ah écoute, ça m'est tombé dessus. Si un ennemi récupère plus de 80% de ses PV tout en étant continuellement infecté par hémorragie, la valeur passe à 60%. Ah là là, terrible. Attends, mais là tu joues. Ah oui, tu joues un Galio flappé. Ouais. Alors, maîtrise du Z. Bah, on m'a proposé aucun Z... set de défense en fait. Donc, Ouais, 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 ouais. Vous obtenez rune fondamentale premier coup et moisson noir. Oh. C'est quoi premier coup et moisson noir déjà? Premier coup, c'est dès que tu vas toucher, tu vas faire plus de dégâts et tu vas gagner 15 PO. Et moisson noir, c'est dès que le mec il aura peu de PV, tu vas lui mettre un burst. Et ce burst, il grandit en fonction des ennemis que tu auras touchés quand ils auront peu de PV. Ok, bah let's go, je le prends. Alors j'ai 250 pièces, je peux rien acheter avec. Oh! Ah bah tiens. Qui on focus en premier? Oh non, la fuite! D'accord. J'ai cliqué 15 fois sur mon ulti. Hein. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
Bah, en même temps, Virgile, j'ai envie de En dire. fait, je commence à détester moi, j'arrive pas à lancer les sorts où il faut cliquer sur quelqu'un. Je n'arrive pas. Ouais, je comprends pas pourquoi. Je En n'arrive pas à fait, lancer ces sorts. aussi, les spells comme ça, ce que tu peux faire, c'est genre juste appuyer sur la touche en ciblant l'ennemi. Je suis en touche rapide déjà. Ah ouais. Ça ne marche pas. Je comprends pas. Ouais, parce que bah, du coup, ils doivent bouger juste Mais un tout petit quoi, peu et ça suffit. Pour ton item, là, par mon exemple? ulti, par exemple, j'ai essayé de le lancer 4 fois sur la MF. Et elle est partie quand elle est morte, ce qui a servi à rien. Bon, c'est pas grave, Virgile. On leur laisse un petit peu de marge, après tout. Ils sont pas très haut level en rang, tu comprends. Ils sont. Voilà quoi. Voilà. Soyons un peu indulgents. Alors. Il me faut de l'armure. De la perse armure. Je sais plus comment on appelle ça, de la létalité. Ouais, la létalité. Ouais. Je réfléchis. Bon, je pars sur un Zonia, hein, parce que vu la team qu'ils ont en face là. Ouais, ah, c'est mais... je peux comprendre. Ah bah voilà, Yomu, c'est très bien. Ça. Yomu, voilà. Voilà. Ouais. Gozette avant que l'autre le tue. Et on est contre quoi? On focus le Vegar. Ah bah voilà, je suis mort. Oh, lui sinon. Non, je suis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit est parti, c'est annulé! Oh non. Il est sur moi, Z? Mais mon ult. Oh non, il est mort. Mon ult, j'ai cliqué, j'ai même pas été stun ni quoi que ce soit. Et il s'est annulé. Ou alors j'ai mal vu, hein, mais. J'ai pas compris. Et ouais, mais Vega, en plus de ça, je dis qu'il faut faire attention, je me prends son truc là. Super. Lui, il est parfait. Ouais, moi aussi là. Comment on joue déjà MF létalité? En plus je dis ça mais en arena c'est contre Pango. Létalité. Létalité. Ah ouais. Bon, c'était chaud. Ah bah ouais, en fait j'ai mis l'ulti sur Z parce que quand on avait ping au début. Non pas ça. Il était con. Build. Ah ok, il y a tout ça, on s'en fiche, c'est surtout les items qu'il me faut. Les items, ah ils sont à droite. Il me faut ça. Comment ça, il faut l'Infinity Edge pour la létalité? Bon, c'est étonnant. Je suis sur le bon truc, là. Non, non, mais attends, tu veux jouer létalité? Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut que je prenne Manteau de la Nuit. Ouais, Manteau de la Nuit, c'est pas mal. Percepteur, c'est top. Yasuo Sup, c'est une méta coréenne, je connais. D'ailleurs, ton duo est très sexy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est effectivement très sexy, mon duo. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à mettre mes trucs. T'as mis ça. Je sais pas, c'est Anat 2118. Bebou Lucas, apparemment, tu le connais. Non, mon ult. Ouais, c'est foutu, salut. Oh punaise, je suis crevé. Ok, ouais, le Rammus. C'est Rammus l'autre là. Je sais même plus comment il s'appelle. Hein. Ouais, bon. Je vais rester là, quoi qu'il le reste. Je ne sais même pas qu'il focus les deux tanks comme des grosses merdes. Je sais même pas par où commencer. Attends, parce que là, en vrai, je vais supprimer les trucs. Le marteau du gardien, bah, je le garde pour l'instant, mais... tu n'es pas à plaindre non plus, petit Kwaku Bakaui. Mais qui es-tu? J'ai oublié qui tu étais, Anat. Qui c'est? C'est quelqu'un que je connais? C'est lui. Anat. C'est Anat. C'est mais apparemment, il te connaît... Ah, c'est Nathan! Mais oui! Bon, du coup, on est 8ème. Bon, bah, salut. Voilà. C'était fun, plus jamais. Voilà. Pour jouer le combat, pour jeter pour un canon. J'arrive. Ouais, bof, hein. Oh. C'est pas ouf ce que tu me dis là. Bien, voilà. T'as dit quoi, ça? Ce fut fun, messieurs. C'était mais pas ouf ce que tu me racontais là. Oh. Pff, la merde. Je suis navré. C'est bien ce que t'as pris là par contre. Attends, qu'est-ce que c'est?
Il y en est que j'ai un. raconté. En vrai, Z, il est bien, non? J'arrive, pas lancé! D'accord, oui, t'inquiète. Oula! Oui, alors. Attends, mais dans la Je... merde, hein. Alors, Nathan, oui, alors, oui. Ouais. Sinon, on go sur Mordeux, hein. Vas-y, qu'on Mordeux, Oui. pardon. Alors, Là, il va te faire juste Mordeux, hein. Ouais, je sais, Oh, mais je sais tu pas quoi l'as vu? faire. Oh putain, prends le heal. Cachons. Pourquoi ça montre ça? Pourquoi ça veut pas montrer le reste? Ah, voilà. Oh là. Mettre comme ça. Je suis bien. Oui, tu es bien. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est Oh oui. savoir. Z, il est bien, il est pas trop technique. Bon, en même temps, si même s'il est technique, je m'en fous. Je dis c'est quoi et je... Ah bah de toute façon j'ai même pas assez de machin pour l'acheter, laisse tomber. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Taric. Taric, ça sert à rien, il me donne que dalle. Carré qui te donne que dalle. Tu Oh. vois, ça, c'est un véritable support, par exemple, tu vois. Pas Yasuo. Yasuo support, si. Il n'y a que les aigris, bien sûr. Qui, voilà quoi. Les personnes aigries et mauvaises dans leur vie. Qui disent que Yasuo support n'existe pas. Regarde, Nathan, toi qui es émeraude, dernière nouvelle. Est-ce que Yasuo support, ça existe? Est-ce que c'est possible? Il va le dire dans le chat. Il va le dire dans le chat. Vous verrez. Non. Alors, Nathan, s'il te plaît. Regarde bien. Regarde bien mon screen. Regarde bien mon screen que j'ai envoyé. Alors, voilà, les Coréens le font marcher. Si je me fais naturaliser coréen, y a moyen que j'aille en Corée, comme Sardoche. Sardoche, il est allé en Corée. Non mais non, Nathan, s'il te plaît, arrête de dire non. Arrête de dire non et Oh regarde bien mon screenshot. Non, tu es né à Poitou-Charentes. Non, je ne suis pas né à Poitou-Charentes, je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. Nathan, bon, eh je vais bien, dire. nous avons perdu, Florian. Non mais Nathan. Regarde bien Ouais. mon screen et dis-toi que ça, c'est avec un Sinon, moi, c'est la Yasuo première. support. Yasuo support, ça fait ça, tu vois. Mais tu n'as pas joué Yasuo support. Alors, pourquoi j'ai pris un item support? Tu t'es juste mis sur la voie du bas. C'est tout ce que tu as fait en tant que support. Peut-être, mais j'ai quand même bien bloqué les projectiles, j'ai stun des ennemis pour sauver mon mate. Donc au final, est-ce que c'est pas un peu ce que fait un support? Ah, hey. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je crois que t'as jamais vu Virgile, je crois. Bah, Virgile, qu'est-ce qu'il fait? Il stun et en plus il fait des dégâts avec sa Séraphine. Et... Donc bon. Il est vrai que... Voyez, genre, il y a des arguments quand même, voyez, genre, donc qu'est-ce qui différencie un Yasuo support de la Séraphine support de Virgile? Le champion. Oui, le champion. Mais alors, de ce moment-là, voilà quoi, il y a des personnages, ils peuvent très bien faire mid laner, ils peuvent très bien faire top, et dès qu'ils vont autre part que C'est sur une vrai. ligne, que voilà, C'est donc vrai que écoutez. Yumi, ça peut aller de partout. Mais Il est oui, vrai que Yumi. voilà, Yumi jungle quand même. Réfléchissons 2 secondes. J'ai essayé Lulu Jungle, alors je n'essayerai jamais Lulu Jungle. Lulu jungle, c'est quoi Lulu déjà? Je sais même plus ce que c'est. Ah si, j'ai dû. Attendez, est-ce que c'est un champion que Norman Tavo adore? Ah bah oui, voilà. Non. C'est ça, c'est bien un Non, mais personnage non. que Norman Tavo Je adore. n'ai pas. Non, C'est parce bien qu'elle peut ça. se faire grandir. Ah peut-être, mais du coup elle a quel âge? Et ça, c'est dans le lore. Et toi, tu es le roi du lore de Voilà. ce jeu, parce que tous Pas les autres, ils savent pas. forcément le roi de l'or, mais elle doit avoir quelques centaines d'années.
Alors, tu vois, c'est typiquement l'argument de Seven Deadly Sins avec oui, Elaine a la 2000 ans, l'apparence d'une jeune fille, Y a, y en a comme des ça, mots dans la apparence. phrase là quand même là, hein. Mais C'est écoute, il y a des sûr. mots pour que j'explique un petit peu concrètement. Attendez les copains, Tu l'as joué j'arrive. là-dedans? Oui, j'essaye de lancer mon jeu, mais après si mon jeu ne veut pas se lancer, bah écoutez, partez sans moi. Ton jeu est chiant. Normalement, ça devrait... Ah, attends, peut-être. Mais nous attendons tous. Parce que dernièrement, je me suis reconverti en Mais en Valorant Player. fait, mais oui, mais en fait, pourquoi on joue en arena là encore? Ça suffit? Mais parce que j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec Florian, et Florian il joue tout le temps en arena, donc je fais quelques games d'arena avec Florian, et après on joue C'est en qui multi. Florian? C'est qui Florian? Mais je sais Ouais, pas, on va voir. tu l'invites à jouer une belote chez toi, et puis voilà, c'est bon. Une belote, Mais c'est regarde, la fin. Florian, C'est est-ce qui qu'une vraie Florian? Ils osent partie... dire c'est qui Florian? Mais Florian, Florian, Mais est-ce oui, que... c'est qui Florian? Florian, Florian, Florian. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de venir jouer en partie rapide, après tout? Dois être honnête ou je dois... Oui, bien sûr, tu dois être honnête, c'est très important l'honnêteté. Non. D'accord, alors, na Florian, 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 si je glisse ce billet de 50 euros dans ta poche, tu me dis quoi ensuite? J'ai dit oui, là, je suis chaud. Ah bah voilà, parfait, donc écoutez, partir. J'ai pas vu de billet de 50 euros dans la poche. oui, non mais alors, écoutez, écoutez, vous imaginez un billet de 50 imaginaire dans votre poche et ça vous Mais pour l'instant, tant rendra qu'on n'est assez pas heureux. 5, tant que Nathan il est pas là, ça vaut pas le coup Nathan, qu'on tu lance peux te une dépêcher entraîne. d'allumer ton putain de PC, s'il te plaît? Merci, j'essaye d'avoir Enfin, raison. allez-y en fait, jouer sans moi parce que mon PC lui ne veut pas. Non, mais frérot, achète-toi un PC, va voler celui du voisin, fais un Non, mais c'est pas mon truc. PC le problème, c'est League of Legends qui ne veut pas se lancer. Oh, mais t'as quoi comme carte graphique? T'as quoi comme processeur? C'est pas possible ça. Je ne peux pas l'accepter. Essaye de le lancer Bossu? en administrateur, ça marche pas. Oui, je l'ai mis de par défaut. Ne me dis pas que Ah, tu as c'est bon, trop. ça se lance. C'est bon, ça Ah, se lance. super, super. Ça se lance, c'est la bonne nouvelle. Suis obligé de venir. Oui, bien sûr. Je regarde des trucs sur Twitter, il faut que je les coupe rapidement. Lucas, au Ça secours. me fait Je suis rire et obligé de ça pourrait venir. amener. Oui, tu es obligé. On parle pas. Le premier truc qu'il a dit quand il arrive dans le vocal, c'est je suis platine 3, les gars. Salut. C'est faux. Alors déjà, pour commencer, j'ai un stream pour le prouver. Ce n'est que la quatrième chose que j'ai dite. Voilà. Donc déjà pour commencer. Attends, mais espèce de chien, t'as essayé de jouer Yasuo support plus d'une fois? Alors, les deux autres fois, j'avais une MF qui n'était pas sur ma ligne et j'ai réussi à faire mon item support au bout de 20 Non minutes. mais Alors, non, mais attends, c'est quoi ça? la Miss Fortune, elle est venue deux, trois fois sur sa ligne et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et ensuite, la Oh là première là, à fois... vrai, je suis ton ADC, je crois que je te tuerai, je crois, Mais, vraiment. Parce que et pourtant... 1-8, la Caitlyn, la pauvre. Mais oui, mais la Caitlyn, en même temps, elle se faisait détruire par le Twitch, et Twitch, c'est un perso de gros taré, pour pas dire d'autres mots. Je vais rester sur taré. Mais en même temps, si t'avais eu un véritable support, t'aurais pu le protéger de Frérot, Twitch. frérot, comment ça Twitch? Twitch, il a une portée de bâtard, il fout du Et justement, poison tu et joues tout. Braum par exemple, et puis voilà, c'est Mais fini, le est-ce Twitch que il... j'ai une gueule à jouer Braum? Et surtout, je Mais joue en partie alors tu n'as rapide. pas une gueule à jouer support en Mais bien fait. sûr que si. Est-ce que tu vas reprocher à tous les supports de ne pas savoir jouer un perso alors qu'ils savent jouer tout le reste? Non. Mais non. Ah, Et parce que ensuite, tu c'est une sais jouer tout partie le reste, rapide. Et bah hein? écoute, tu demandes justement, je sais tout jouer, mais je ne te le montrerai pas parce que je n'ai besoin de rien prouver. Voilà. D'accord. Donc, écoute. D'accord. écoute, de toute façon, c'était une partie rapide. Je ne pouvais pas décider ce que je prenais au moment où. Voilà, quoi. Je ne pouvais pas deviner qu'elle allait avoir un Twitch en face. Oui, Et j'imagine. voilà, c'est. Il y a Sasageyo, il y a Tokashira Kita Kato truc. Sasageyo dans le Je chat. l'ai invité déjà, mais il est peut-être Oui, rendu mais de l'agence. il est là, c'est bon. Écoutez, moi je propose, vu que Attends, Virgile mais il est là? a. Attends, il est dans la game là? Oui, il est là. Attends, je le vois pas là. Dans le lobby. Bon, mais si je le vois pas. Attends, mais t'as 5000 points, Nathan? Bah oui, on va se faire éclater la tronche en fait. Attends, mais tu sais que j'ai kick Ben parce qu'il avait 4K. Hein. Bah écoutez, qu'est-ce qui nous empêche de faire une partie rapide? Après tout. Non mais attends, mais Non mais ça va pas arrêtez. d'avoir 5000 points en arena, mais Nathan, qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez de parler! Allons faire une partie rapide au lieu de faire ça là.
Je sais pas, genre, Non, pourquoi d'abord on on... fait une arena. Après on fait une partie rapide si tu veux, mais d'abord on fait une arena. Après on fait une arena. Genre... Mais genre... Ça va. Bah, Mais maintenant genre... tu sais tout jouer de toute façon. Ah, vas-y, go, go partie Oui, rapide, c'est pas grave. c'est vrai, je sais tout jouer. Punaise, mais j'en ai marre. L'école de mon fils. Il prépare un café des parents sur le thème de l'école le jeudi 6 juin de 8h30 à 10h, Je peux mais pas ils peuvent tag pas là. prendre mon fils pour son dossier Gévasco. Je Non ne mais, peux je vais pas péter un plomb. tag. Je vais péter un plomb. Oui, mais si on joue en normal game, je ne peux pas tag à 6. Ah, et voilà, 7. Voilà. Et voilà, trop de gens maintenant. Voilà, on va être Là, coincé en mais c'est arena que des toute mecs notre qui se vie. touchent pas en plus. Ils ont 4K là, putain. Frérot, t'approches des 4K. Je suis à 1300! Bah oui, mais regarde, justement, c'est pas loin des 4K. C'est déjà plus que moi. Hey, Ah, j'étais alors. prévenu. Ah, il voulait pas tag avec toi? Bah super. Ah, super. Bon, bah je les dégage hein, parce que c'est bon, j'ai pas Allez, toute la c'est bon. soirée. Voilà. Allez, c'est bon. Salut, voilà. On va pas Et faire un des. stream animé, Tanguy. Voilà, exactement. Je veux pas mourir en boucle sur des Mordekaiser Vegar. C'est bon. Voilà. Bon, il se passe Bon. quoi là? Là, il se Bah passe écoute, quoi? Yasuo support. Non, 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 non. Alors, je veux bien normal game, mais je ne veux pas Yasuo support. Non, non, non. Bon, bah ce sera Yasuo tout court. Yasuo bot, tu sais quoi? Attends, Par mais contre, je. attends, c'est pas dans le vocal? Bot. Yasuo ADC build Qu'y parfait. a-t-il, Bébou? Bah, je sais pas, Ouais, en fait, tu bah voulais faire une c'est normale. Entendu? exactement les mêmes runes. C'est exactement les mêmes items. Ouais, bah ça va en fait. Ah non, j'ai rien à changer, c'est cool. Mais du coup, voilà, tu vois, Yasuo support, en fait, ce qui est étrange, c'est que ça a exactement les mêmes runes et les mêmes items que le Pourquoi Yasuo t'as grand ADC. draft? Parce que. Mais justement, justement. Mais c'est très étrange quand même, parce que j'ai regardé sur internet, il me disait Yasuo support. D'accord, alors attends, je vais taper nude Tanguy sur internet. Et forcément, si ça sort. Ah! Ah bah ça sort! Ah putain, mais qu'est-ce que t'as fait Tanguy sur internet? Eh bien écoute, on doit bien arrondir les fins Moi de j'ai mois. supprimé mon historique par contre. Non J'ai mais supprimé mon attendez. historique parce Écoute, que. ça aussi. Alors écoute, je vais te donner un petit tips de Attends, Platine attends, attends, 3. attends. Qui De joue là? Platine Qui 3. joue? Attends, Un hey, petit pitié, pitié, tips les gars, de je veux jouer, j'en peux Platine plus. 3. Un petit tips de Platine 3. Quand tu Hey, vas sur Internet, je t'invite Tanguy, à je t'en faire. supplie. J'ai lancé une normal game pour toi, je t'en supplie maintenant, s'il te plaît. On met nos posts et on tag la game. Bah c'est Pitié. bon, j'ai mis mon poste, je suis bot. Donc, vous restez comme ça? Ouais, bah c'est bon. Ouais, pas ça. Je vais jouer donc Yasuo support. Donc item support dès le début. Oh, j'aime pas, ils vont sûrement ban Yasuo, je vais jouer Miss Fortune si jamais. Si vous bannez Miss Fortune Yasuo, par contre, il va y avoir des morts. Je l'annonce. Alors, bien sûr, pour pourrir la vie des gens, je dois ban un certain personnage qui a coûté 200 balles à certains joueurs. Je ne nommerai pas le perso, bien sûr, ça commence par A. Sûr. Le skin n'est pas encore sorti, non? Si, il est sorti. Ah ouais? Bah, il me semble. T'avais vu ça, Sortie Flo? skin De quoi? Flo? En fait, ils sortent un skin avec un pack sur Faker. Et Ah ouais, c'est sorti, hein. le tout coûte 500 balles, je crois. Ouais, et le 500 skin. 500 balles? Ouais, oui. Non mais. Et le skin tout seul, Et en c'est fait, le 200. problème, en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement des idiots sur ce jeu que des gens vont l'acheter.
sans se rendre compte que c'est un prix exorbitant C'est pour quoi, c'est quoi, il y a quoi dans le pack? skin sur Harry. C'est le truc, plusieurs skins sur. Si c'est une Oh! personne. T'as même pas le skin sur S aussi? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Le skin SKT? Sur Ez? Non, Sur le Rise. blanc, tu Rise. veux dire? Rise. Ah, j'ai la J'ai oublié que dans le fatigue! pack, t'avais tous les skins SKT du coup. Donc, oh Oh! non, il a pris Horn, putain. C'est un perso que je sais jouer. Hein. Aïe aïe aïe, ça va direct jouer létalité. Je joue jamais en top lane. Le seul perso que je sais jouer, c'est Horn. Il est épique. Ah, je peux pas, je peux. Il n'y a pas de létalité dans le build bot de Yasuo? Putain, bizarre. Je regarde sur le site, mais. En vrai, c'est hyper étonnant. Je suis peut-être pas sur le bon site après. Je vais regarder sur OPGG. Ouais, t'es pas sur mon site, je pense, hein. Mais il propose pas d'items. Ah là par contre il propose plusieurs items. Ah, Navori Flicker Blade. C'est pas de la létalité non malheureusement. Y a pas de build de l'état? Extrêmement surpris. Bah tant pis, écoute, hein, je vais prendre le premier et puis Oui. basta. Hein. Je ne vais pas chercher plus loin. Je prends fatigue. Je prends fatigue. Là, je veux quoi, Virgile. Virgile? Ouais, Virgile, bah Virgile il va jouer peut-être à Mumu. Du coup, Mumu support, comme il me l'a déjà expliqué, en fait, c'est que même si la game va mal. Ah non, il va jouer Milio. Milio, c'est bien aussi. Il est au moins, il pourra faire bump. Attends, c'est qui le support en face? Horn, ah oui, pardon, c'est Horn, Jinx en bas, Sett au top, Aurelion seul au mid et Lilia au. D'accord. J'ai pris mon mes ma page de runes Yasuo support parce que bon comme c'est Bah, la même chose vu qu'en support, là, en plus, ça va bien. bah ouais je suis pas vraiment en support mais vu que ça passe Ah, t'es j'ai pas un en peu la flemme support, de merde. refaire bah non je suis pas en support bah non là je laisse la place du support Jinx l'elfe arriviste Ornn c'est un peu le personnage il est hyper stylé mais il a des skins tellement goofy. Et En certain. vrai, ils sont beaux, ces skins aussi. Ah, ils sont beaux? Ok. Parce que je le verrais bien, Ornn café chouchou quand même. Non. Cela doit cesser. Assez de café Déjà, chouchou. Assez! ils ont sorti Vladimir Café Chouchou, c'est une énigme. D'accord, très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un skin un petit peu de host japonais des fois? C'est limite, ils sortaient un skin Braillard Café Chouchou, genre, Ah, non? Braillard Café Chouchou, en vrai, ça plairait à des Non. gens. Hein, en vrai. Arrête, arrête, ça plairait à des gens. Arrête. Genre, Oui, c'est le. un peu la fille emo gothique et tout. Genre, tu lui mets un skin comme ça de Café Chouchou, les gens ils sont en mode, oh mon dieu, meilleur skin du monde. Du coup, je vais prendre donc la Oula, place. j'ai pas. Oula, attends, ça fait longtemps que j'ai pas joué à LoL. Attends, ça fait bizarre. Ok, allez hop. Alors, par Parce contre, que je vais là, prendre c'est. le. Bouclier de Doran, on est d'accord, je peux le prendre pour aider un peu Virgile. Hein. C'est pas trop déconnant. Ouh là, non, quoi, non, non. En tant qu'il joue à D7, je prends là. Ouais, Attends, je sais, c'est mais toi la D7. bon. Non, mais là, tu pourras plus, tu pourras pas, tu pourras pas. Ah mince, bon, ok, tant pis. Bah, j'avais imaginé, je vais reprendre ça parce que je trouve que Non, mais en vrai, sur la mid lane, c'était trop utile. c'est Hein. pas si terrible, hein. Non, c'est pas si terrible, ouais. Je Oui, comprendrais après, que ça va. bon. Au moins, ça Jinx, t'évitera de te faire mettre mid-life, hein. J'avoue que tu vas prendre la Steeze. bon. Et au moins, ça permettra à Virgile d'arrêter d'être saoulé quand je me prends des On a un giga bon dégâts dans la late, mais gueule. ils en ont un meilleur. Bon, Bien faut joué. s'attendre à du rang élevé, du coup, vu que je suis là. Vous pouvez me remercier. Savez-vous pourquoi il y aura des gens de haut level? Eh bien, je sais pas si vous saviez, mais je suis plat 3. Je comprends ce que Mais tu voulais t'es con, mais dire. c'est pas. Je voulais dire, je comprends ce que tu voulais dire, Lucas, au pique-nique. Ah ouais. Oh, Tanguy. Oui. M'en fous, ah! Nul, nul, j'en ai pas! J'en ai pas, ta gueule! Je vous remercie. Oh, c'est bon, nous pouvons y aller.
C'est vrai que maintenant, sans l'étal tempo, ces deux champions sont devenus un peu plus weak. Bah, je pense que heureusement qu'il y a Virgil avec toi en bot. Parce que sinon, tu serais déjà mort deux fois. Super sympa. Il parle pas dans Virgil là parce que je l'entends pas. On se concentre. Il a ma vie entre ses mains. Asaki! Ah oh salaud. Bon pour l'instant ça va. Je prie le ciel tous les jours que Yasuo n'ait pas de mana parce que sinon ce serait le perso le plus chiant du monde. Gérer. T'imagines devoir claquer ton Q tous les jours. Imagine là, que ça te claque du mana. Imagine avoir un skin sur Yasuo, qu'est-ce qui se passe? Du skill. Ah, du skill sur Yasuo? Ouais, c'est bon, ça j'en ai, donc ça passe. Oh punaise, ça bloque le truc de Horn! C'est trop bien! Quel truc? Bah, le bouclier, enfin le... Punaise, attendez, parce que... Ouais, le Z, moi mon Z, mais c'est un W. Non mais par contre, faut aller se faire foutre. Non, allez, c'est bon, ça va. Quoi, le bouclier c'était pas si con. Ça joue bien. J'ai beau gosse. Oh oh oh! Finesse pour cher. Oh, il y a l'IA. Il a TP, hein. Le bougre. La démonte en fait. Ah. Pas grave, je l'ai bloqué. Non, je l'ai raté. Vraiment, il bat du Tommy qui le mid point. Oui, mais Nick. J'ai envie d'aller enfin, voir. J'ai peur un peu quand même. Ce qui va. On est en normal game, les gars. Donc oh, oh le mur de Horn bloque les attaques de Jinx. Oh, c'est. Je découvre des trucs. Mur de Horn bloque les attaques de Jinx. Ouais, en gros, elle a balancé son rayon. C'est comme ralentit. Un mur, du coup, ça se tire dans le mur, son truc. Le Z là, de Jinx. Ouais, son projectile là qui ralentit. Le Z de Jinx traverse les murs. Hein. Oh non, oh non, oh quel dommage. Je claquais ma fatigue. Recule. Merci pour le gank, il était pixel. Hein. Du coup, le Horn est obligé de back. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. On y a Lilia mid. Enfin, par là, quoi. Quelque part. Et je me casse. Du coup, vu que c'est considéré comme un mur, c'est plutôt cool. Par contre, l'ult de Horn, je viens de m'en rappeler, il est un peu chiant. Pas l'aimer, lui. Il y a top, qu'est-ce que c'est de me cancel?
L'ult est prêt. Faut juste que je back pour aller récupérer un petit item. Tu peux jump sur la boule de feu de Milio. Hein. Jump sur la boule de feu, c'est-à-dire? Ouais, tu peux ulti sur la boule de feu qu'il envoie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est un ult ou bien c'est juste un... C'est son roi. Ah, vas-y, j'arrive. Génial. Mais il a son R, lui, je crois. C'est pas grave. Moi aussi, je l'ai. C'est chaud, non? Mince, du coup, tu l'as reculé. Non. Night bug. Mon 6 là sur le blue, j'arrive bot. Mince. Oh oui, j'ai bloqué l'ult. J'ai pas mon mur. Ouais, je suis là. Parfait. Oh punaise. Jinx. Non. Du coup, c'est l'âme du roi déchu, je dois prendre en premier. J'ai les bots à acheter aussi. Ah, bien joué. C'est pas fini, il en reste un. Oh, GG, merci. Attention, ça. Ok, c'est bon, il est parti, bot. Psst, il y a un moustique qui se balade. Il y a toujours le dernier mythe. Ouais, je sais bien la faire. Il y a le Drake aussi. Je vais juste essayer de voir le Drake, j'arrive. Je te laisserai voir le Drake du coup. Il est fou ce mec. Il est trop fou ce mec. Ah, c'est fait le like. Il m'a flashé pour mettre un ulti. Merci en tout cas pour la dégâts. Vous m'aimez très très bien. Oh, calmez-vous. Je peux revenir Lucas. Phase de feu carrément. Si tu grid un peu là. Dame grid. Ça me plouque. Ouais. Attention, attention. Non, sur la gauche. Ah, il lui restait 2 PV. Quel dommage. Merci Yone. J'aurais pu acheter mes bottes, remarque. Bon, c'est pas... Prochaine fois. En fait, je sais pas si. Virgil, il parle pas ou juste il est mute Je m'entends pas. Non, si, il est là, mais c'est juste qu'il est concentré. Je m'entends pas.
J'arrive. Ah punaise, c'est vrai qu'il peut faire ça. Ouais, bah je suis mort. Ouais, je suis mort. Comment on fait pour ping l'ult d'un ennemi? Ah oui, sa petite bulle. Ah voilà. Non, pas du tout. Bien joué. Ah si, c'est bon, ouais, c'est comme ça. Ouais. On peut te chercher jusqu'en enfer. Hein. Ah, ils ont ward. Ah non, ils t'ont vu. Ouais, moi j'ai bougé. Merci. Non, pas con. Go sur Jinx, hein. Allez, oh putain, j'ai plus de déplacement, c'est terrible. Hein. Non, lolo. Allez. Vous avez été tué. Le casse-couille qui cancelle le bac. Ça se casse les couilles là. Bien joué mid. Attention, Virgile dans la rivière. Il y a le Herald, Flo. Là je suis là, hein. Je suis pas du team, mais je suis là. Ouais, il y a le Drake. Il y a Lydia top. Lydia top. Et non, alors, tu ne pourras pas. SS de 7. 7 qui descend, tu l'as vu. On chope. Oh, carrément, on sent. C'est un... Je peux venir. C'était une petite ward pour le dragon, Virgile. Après, là, Lilia, elle est mid, attention. Tu vois. Oh my god, j'ai pris. Je vais, Flo. Ah. Ça va. Non, je suis mort. TP quand on l'a tapé. TP, je sais pas. Ah, dommage. Je fais Drake, hein. Ah non, il y a les deux bots là. Ah, mais là, les Aphides se sont bien régalés, les gourmands. Je suis là. Putain. C'est chiant, Orm. Oh là là. Son ult, genre je me suis pris deux fois et ça, deux fois ça a été. Meanwhile, Lucas il fait son pèlerinage. Ouais, il fait son petit pèlerinage tranquille de son côté. Tout se passe bien pour lui. Écoute. Car nous comme ce Mundo qui était à 500 en dégâts physiques. Qui nous a fait un petit. J'arrive Drake, hein. J'arrive. Ouais, pas toi mon gars. Ah oui d'accord. Je l'ai eu avec quoi? Avec la réactivation du défibrillateur. Reviens là salope. D'accord. Je l'entends. Non, je me suis mangé. Bah, je vais me botte maintenant, les gars. Ah ouais, la tour, elle a pas été gratinée un instant. Ouais, non, mais vraiment, maintenant, c'était impossible. C'était chaud, ouais.
Mais vas-y, du coup, tu peux aller mid hein, maintenant. Ah, bon. Oui, vas-y, vas-y. Mundo, ça y est, c'est bon. Voilà, il est parti se faire toutes les tours. Votre équipe a détruit une tourelle. Est-ce qu'il y a un skin démolisseur de chantier avec Mundo ou pas? Encore, tu peux donner l'idée à Riot si tu veux. Oh, un petit skin épique là, il frappe avec un marteau. Il a un skin avec lequel il frappe avec une altère non si tu veux. Non non. Ah c'est bon. Alors je vais donner le dernier coup. Non tu le. Ah. Bon, c'était worse. Je peux me faire bump. Je peux. Je sais pas comment j'ai survécu Flo, mais j'ai survécu. Bien survécu. Oh putain, j'ai même pas vu. T'avais 10 HP ton. Ouais, elle va venir, je dis. Mais c'est deux. Compliqué là. Pas besoin de nous remercier, hein, c'est nous qui l'avons feed. Il y a l'Hérald, je vais gérer TD pour l'Hérald. Je me suis pris un zap, il a dit que c'est bon pour le cerveau. Ah bah ils sont en train de le faire, on va le défoncer. Bien joué Virgie, les bons réflexes. Faut que je provoque lui par contre. Eh oui. Ah il faut hein. Faire le giga item AD maintenant, armure là. Je te le garde, vas-y. Nice, merci, t'es le boss. Pas de soucis. Ça y est. Ah non, bah ça me sert à rien. On va le conserver. Ah non. Ah dommage. Il est arrivé au bon timing ce chien. Y'a pas de projectile ce chien de Aurélien Sol, je crois. si. Ah non. Ah je crois pas. Hein. Ouais. Non. Ce sont des garçons. J'allais dire son Q, mais c'est un laser, donc. Ouais. À la limite, sa queue, mais ça s'arrête là. Sa queue. Attention, il y a un Aurélien Sol qui nous a vus. Et il y a une ward ennemie juste là où on passe. Ah non, trop loin. Bien joué, Virgile. Tu es trop joué. Fort. Ah oh non, je me suis fait créer bloc. Je déconne. Ah, mais là, en fait. Ils ont pas compris. Ils faisaient nos dégâts. Non, viens là. Ça pour multiplier. Parfait ça. Tu es là. Merci. Merci de l'avoir mangé. Je te l'ai laissé quand même. Merci beaucoup. Tu es là, Florian, tu l'as vous voyez quand même. Monsieur Florian, prenez-la. Non, je suis là. Je vous en conjure, prenez-la. Non. Pitié. C'est pas grave. Allez, je m'occupe de cette tour. Elle est foutue. Merde, je voulais appuyer sur ça. Oh, pas mal aussi. Brother. Vas-y Nathan, détruis-la. Détruisons-la de comme quoi, des là. Frères. Tu parles de quoi là? De la grosse tour. Oui. Mon frère, faites attention! Des ennemis vous embêtent. Vous me lestent. Asagi. Asagi. Hop là, une grosse épée. Avec Virgil au cul, je peux pas mourir. Vas-y Virgil, soigne le gros. Soigne Mundo. Tu veux qu'on fasse des échanges de projectiles? Tiens. Tu veux qu'on échange des projectiles? Tiens, mange la hache. C'est une hache que tu veux. Ah putain. Oh non. C'est la grosse mort. Mon portugais préféré. T'aurais jamais dû mon gars. Virgile, regarde Mundo et juste pense à Zul'jin. C'est une hache que tu veux. Je
les Zul'jin sous hormones là. Il est gros. Il a pris des hormones. Des hormones de croissance. Désolé, il a pris. Les copains, c'est pas la rien. Arrive, arrive. Je veux pouvoir participer avec eux. C'est juste là. C'est sérieux. Allez, Asagi, Asagi. Bravo. Allez, lui là. Oh là là, le Asagi, il est fatigué quand même parce que là, il est en reset. Oh, le Asagi, c'est le Asagi de la cinématique, mais il est tout vieux, mais c'est tout. Il est juste tout vieux. C'est pas ça. C'est trop ça. C'est pas, il peut réutiliser le pouvoir du vent, non, il est juste. Oh, Asagi. C'est limite, il va devant les deux bandits, mais il se fait son coup de bâton, puis Asagi. Oh non, je me suis encore chié dessus. Non, oh, Lucas, non. Tu es vilain, Lucas. J'ai rien entendu, et je pense que pour Twitch, ça vaut mieux. Bon, il en reste quoi? Il y a un inhibiteur en bas. Non, mais non, mais il y a deux sbires. Il y en a que deux. Pas te mentir là, c'est pas bon. Hein. J'arrive. Genre, on remonte. La Lilia en premier là. On la mange, on la croque. Ah, t'es un gourmand quand même. Vas-y, croque-la, bravo. Ah, c'est un gourmand, mais ça paye. On peut aller faire le. Non, on peut continuer. Hein. J'allais dire le Nashor. On peut aller faire le Nexus, je pense. On peut finir accessoirement. Non, le Nashor, si on gagne pas avec le Nashor, c'est pas une vraie game. C'est pas une vraie victoire. Gasburn. Un peu. Attends, elle m'a mis une auto là. Azelio. Donc elle m'a mis une auto. Donc elle m'a mis une auto là en fait. Ah, c'est désolé. Ah non, c'est bon. Ah non. Ah, t'es pas mort. Je suis vivant, les copains. Non, foutez-moi la paix. Mais ça sort d'un dé. Headshot, Jinx. Ouf, Lilia là. Oh ouais, je mets des patates, c'est trop bien. Bon, ok, elle m'a découpé avec sa Gatling. Reviens. Ah non, ah non, non. Oh non. Ah oui, mais non, mais découpe-la. Oh non. Mais pourquoi... Non, je sais, c'est la faute à qui. C'est la faute au Yasuo qui est en 1-8. Non, mais lui, si on veut finir la game, on peut finir la game, hein, là, c'est pas de problème. Hein. Non, mais tu te rends pas compte, hein, Aurélien Sol et Jinx, ça scale, hein, attention, hein. Tu sais, parce qu'après... Mais bien sûr que ça scale, mais là si on fait le Nashor, la game elle est terminée. Hein. Parce que mais là, après, il joue au-delà de sa scale. Là, de sa scale, il joue pas bien. Faut pas après, dire qu'il joue tu bien sais, les Nashor, ça reste un boss digne de Dark Souls. Hein, mais... Bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Bon, ok, ce serait plus un PNJ qu'un boss. Oui, ce serait plus un PNJ qu'un boss. Toi-même, tu me dis, Lucas. Non, Tanguy. Florian. Virgile. Il a fait le vocal. Tu sais, au moins là t'es sûr. Non mais les copains, vous allez où? Je sais pas, moi je suis Lucas, il est censé être un pro player. Bonjour, je suis les impôts, désolé. K.O. Oh là, attends, vous êtes sûr de votre angle? Oh oui, l'ulto de Horn est disparu. Il s'est fait manger par un petit mur devant. Oh non, Melio, prenez ça, venez. Il nous a viré. T'as pas le skin Y'a le Drake. Ah oui, Mundo Drake. Vas-y go. Bah j'ai Mundo toxique. Sauvez Yone. J'ai pas le skin de Mundo, super cool. Tu n'as pas le skin de Mundo riche. Mais non, puisque je ne joue pas suffisamment Mundo pour m'acheter des skins. Sauvez-le. Je suis vivant. Je suis en Virgile. Carrément. Virgile, le copain. Le peuple de la vie. Ah, en vrai, Non, mais reviens. Mais pourquoi il s'est arrêté ce gros con? On va continuer.
Il fallait que tu rentres dans les bouches, que tu fonces et que je le découpe. Pourquoi t'es pas rentré dans le bouche quand de Yasuo, je confonds les deux parce que ça commence par Y. Oh, insupportable ce personnage, insupportable. Qu'est-ce que tu veux toi? Oh là là. La bac, la jeans. Ah, le 1-9 qui pique. Mon frère, si nous... Non, mon frère. Alors toi? Alors toi, rien d'avoir touché à wesh. Ah oui, il a voulu me kidnapper hein. Comme les enfants qui comme les enfants qui sont kidnappés. Wow. Comme les enfants qui sont... Attention, je suis en live. Les mots comme ça peuvent être, disons, sensibles. Érection? Je pense pas que ce soit un problème, c'est un terme médical. Garde à vous. Merde. Bon, on se fait ce Drake, hein. Ouais, vas-y. Je mets 1096 avec un. Ben, c'est pas mal, hein. Frums. Beaucoup. Qu'est-ce que vous proposez? Y'a qui a le Nashor en face? Y'a plus personne. Je pense c'est pas, fini ouais. Là. Mais lui. Vouloir la hache. Ah putain, mais je laisse ce ref en fait. Et oui, ça vient d'eux. Voilà. Ah mais je sais que ça... Oui, mais juste... C'est pas vrai. Désolé Virgile. Tu resteras tout seul avec ton trou noir à la con. Je suis pas encore là les copains, j'arrive. Nous t'attendons. Vas-y, j'attends ton ult Ornn, j'attends ton ult Ornn à la con là. Non, quoi que... J'ai été touché par l'ult de l'autre con là. Attends. J'ai été touché, j'avais un pied, un orteil dedans. Mon orteil dépassé dedans, j'ai pris littéralement les trois quarts de ma vie. Mais c'est... Je suis fatigué de ce jeu, les gars. Genre, vraiment. C'est le genre de détail, là. Genre, vraiment. T'as un orteil qui dépasse, ça y est. Genre, il a pas de zone à ma prise. Attention, Virgile. J'ai pris la roquette pour toi. Ils veulent te tuer, là. Ils envoient des projectiles. Attends, s'ils me tuent pas, t'es increvable. Donc... Oh, là, c'est moi qui vont tuer, c'est la cotille. Tout va bien se passer, j'arrive mon frère, ne dors pas, ce n'est pas le moment de dormir. Non, tu ne meurs pas, c'est forcément un mensonge de l'État. Je suis pas encore mort. Hein. Bon, maintenant tu es mort, bon, tant pis. Allez, Jacques Chaud, non, t'aurais... plutôt ça, ouais. T'aurais dû dire que tu ne contractais pas. C'est vrai, c'est quoi? Tu m'as fait contracter un dommage brain. Oh non. C'est un peu gritty quand même. Ouais, de fou. Non, les copains. Ouh, les copains, je ne vous oublierai jamais. Hop. J'arrive comme ça. Yasuo pour l'instant. Poupidou. Poupidou. Papa pidou. Papa poupidou. Papa poupidou. Brothers. Vas-y, prends ce tour. Et non, tu vas mourir quand qu'il arrive. Non, il est pas forcément mort. Ah, bon, là, il est mort. Eh oui, t'aurais dû continuer à taper. Oh, oui, mais j'avais pas confiance en mon DPS. Tu n'as pas assez cru en lui. Ça... Mais oui, mais je n'avais pas la lame d'infini. Maintenant que j'ai la lame d'infini, je peux tout détruire. Ah, okay, il faut croire en Tanguy, il faut trop croire. Ah bah là, j'y crois, mais je pense que je... Ah oui, mais là, son score, il est 1-1-1. Excuse-moi, tu as oublié un 1, s'il te plaît. Bon, chercher des bonbons, là, parce que... On skill, on assiste. Ouais, 1 kill, 11 assists, t'as vu, c'est... Ouais. Oh. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est kill, assist, t'aimes que toi. Non, pas du tout, hein. c'est bien les morts au milieu. Hein. C'est... J'ai plus d'items que toi alors que je joue support et que je dois pas faire de... Oui, c'est parce que je ne fais que crever. Tanky, arrête de mourir. Ah, j'essaye très fort, mais les ennemis ont un autre projet. Mais elle va mourir, elle, en fait. Non, elle meurt. Ouais. Arrêtez de mentir. Quoi? Non. Oh non, 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 bah
Il a du ult pour la tuer là, aussi. Là, on peut nage quand vous voulez. Hein. Ah oui, nage, là, c'est bon, là, c'est... Juste, on va ward un peu, là, quand même. Je peux flank. Ouais, j'arrive. On revient au sol. On va voir la con. Derrière. Non, j'ai raté. Attention, focusz pas, Ron, hein. Bah là, on peut nage. On est pas obligé de continuer. On peut nage pour sécuriser et puis on attend. Simple nage, oui. Nathan, pour l'instant, il met la pression, c'est parfait. Vas-y, mets la pression. On fout du bon perso. Oh là là, en plus, il tue Ornn, il tue Jinx. Et là, il y a le Nash. Vas-y, découple avec Virgile. Virgile qui sauve la peau de Yone. Oui, vas-y. Vas-y, découpe-le. Découpe-la. Oui, vas-y. Oh, trop beau, bravo. Je peux pas bloquer. Non, mais arrêtez de tirer. Là, on termine. Plus 50, oui. Ouais, GG. Bien joué à vous, les copines. Ouais, bien... ouais, bien joué. Je pense que je vais arrêter de me vanter d'être platine, là. Ça suffit. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Franchement, je sais pas. Petite intuition comme ça. Mais par contre, attendez, parce que là, actuellement... On va partir à 25 000, c'est pas mal. Alors, attendez, parce que vous avez tous ces... Tu sais quoi, je t'honore toi, Virgile. Oui. Mais en vrai, Virgile a été le véritable GOAT, parce que quand même, il nous a pocket tous les quatre. Ça a été tout particulièrement apprécié. Est-ce qu'on peut arrêter de se moucher fort? Non. Eh bien, si. Bon, bah, je vais jouer bot cette fois-ci, mais Miss Fortune. Ah, ça vaudra mieux. Oh non, il part déjà. Ah oui, demain j'ai extraction des dents de sagesse, je ne peux pas me coucher trop tard. Oh, oula. Mais vas-y, extrait-les tout de suite. Tu prends des... Je sais pas, tu prends des... Oh non, mais my bot, c'est vrai, je vais prendre un fil dentaire, je vais les arracher de mes gencives. Mais oui, Je viens de voir ce que Benjamin et Chiché ont mis. Tout à fait. clairement. Ils ont été tout particulièrement gentils avec moi. Tu stoppes, Flo? Ouais, moi je déco aussi. Ça marche. Bon bah bisous. Bisous. Ciao. Au revoir. Ciao. Bonne soirée. Eh bien, messieurs. Eh bien, nous sommes trois. Merci, Nathan. Passez une bonne soirée, les copains. Merci. Bonne soirée. Bon courage pour demain. Ah, je sais pas si tu m'as entendu, mais bon courage pour demain. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Bon, eh bien, voilà. Bon, les gars, ça part en flex. Ouais. Bah, écoute, ouais, vas-y. Je sais même pas ce que c'est flex. Qu'est-ce que c'est flex, déjà? Classé flexible. Ah oh, oui, d'accord, super. Super. Attends, mais vas-y. Tu veux pas? Si, vas-y. Okay. Non, il va perdre son côté. Mais non, je vais perdre. Ça sera de notre faute. Écoute, si je perds mon rang platine, j'ai quelques points de côté, c'est bon. On perd combien de points? On va tomber sur des gens qui sont forts, hein, par contre. Ouais, à cause de moi, du coup. C'est marrant parce qu'on a le même niveau de titre avec Tanguy. Genre, on est à 30,20%. Oh. Alors qu'il joue plus que moi. Oh. Écoute, il a tiré il y a une différence. Je ne suis pas un joueur de MOBA. N'oublions pas quand même que tu as été diamant sur Heroes of the Storm.
C'est pas faux. C'est un diamant à mes yeux, bien sûr. C'est tout ce qui compte. Ça sera répété et amplifié auprès de ta meuf. Voilà. C'est pas grave, je suis aussi un diamant aux yeux de Pauline. Donc... Elle va dire. Non, mais c'est bon, j'ai l'habitude qui drague tout le temps Pierre Gilles, de toute façon. Ah mon dieu. Par contre, j'aimerais voir les emotes. Comment on fait ? C'est pas dans le profil ? C'est dans le butin, non, dans le sac à dos, ouais, mais dans tu vas dans l'emote. C'est mal branlé. Butin, emote. Non, pas butin, le sac à dos. Ouais, non, mais c'est bon, j'y suis. J'ai pas le truc, genre j'ai été platine 2 pendant la demi-saison d'avant. Non, parce que t'avais pas fini tes games de placement. Ah mince. Ouais, il m'en manquait une en plus, le seum. Bon, tant pis. Ah, c'est dommage. Je flexerai dans 6 mois avec mon plat 3. Oui, voilà. Parce que maintenant, en plus, l'avantage, c'est que les saisons, du coup, c'est que des demi-saisons maintenant qui sont faites sur LoL, donc c'est plus rapide. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme... Je vais chercher un pot de confiture. Eh bien, vas-y, moi, je... Pourquoi faire ? C'est pour la manger, connard. Mais, oui, mais t'as cru que c'était un cochon, quoi, qu'il allait, genre, mettre son groin dedans et puis... Bon, la confiture. Bah, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Je ne juge pas. Bon, bref, je vais juste revenir. J'ai besoin de boire, moi, de mon côté. Mais ouais. Ah, du coup, vous ne connaissez pas Florian. Bah non, vous aviez déjà joué c'est avec qui oui, c'est non, un de mes potes d'enfance avec qui non, bah, moi, je l'ai jamais rencontré, mais je sais qui c'était, Florian. Ah oui, non, enfin, parce que... On avait déjà joué ensemble, c'est tout. Je le connais pas plus que ça. Ouais, oui. Mais il est du genre réservé, quoi. Ah. C'est quoi comme confiture ? Pig, j'adore. Oh, le petit quignon de pain. Ah, mamie, elle m'a fait un pot de confiture d'abricot, j'ai toujours pas en tête. Oh non, mais moi, justement, j'aime trop. À chaque fois que j'y vais, là, elle me fait des pots de confiture maison, là. Comment c'est un régal. Pour de figue avec le pain qui me restait ce soir, là. Ça passe trop bien. Bon, par contre, je tape mid, alors je suis pas sûr de pouvoir carrer la game, hein. Mais de toute façon, je compte sur Tanguy pour faire ça. Avec sa MF. Ouais, avec sa meuf. Ça me fait. Et là, Tanguy va dire oh, je comprends pas, la partie elle est plus dure que quand je joue en platine. Bah, justement, nous aussi on comprend pas. Je joue quoi ce soir? Je pense que je vais partir sur un petit amulu. En tout cas, Milio, franchement, tu sais, quand j'avoue que tu joues Milio, ça me donne trop envie. Hein. Milio, moi j'aime bien, hein. C'est marrant. Ouais. T'as pas d'impact en termes de dégâts, mais en termes de support. Ouais, c'est trop c'est fort. Vraiment, le truc, c'est qu'il faut jouer avec un AD carry, quoi. Un mec oui. Qui fait des dégâts, pas Azagi. Je suis là. Pas oh Azaki de Tanguy, en tout cas. Pas le Azaki de Tanguy. Écoutez, c'est le début. J'avais jamais joué à DC avec Yasuo avant. Je ne jouais que mid. Et support. C'est très important de le préciser. Il y a peut-être une raison pour laquelle on joue peut-être pas Yasuo à DC. Bah, ça se joue. Non, mais Yasuo à DC, ça se fait. Mais juste, c'est compliqué quand même. Hein. Mais en fait, le problème, tu vois, genre l'ult de Horn, je ne savais absolument pas que ça pouvait être bloqué par l'ult de, enfin, l'ult de Yasuo, par le W de Yasuo. C'est, pour moi, ça me semblait impossible. Genre, c'est un immense bélier de pierre qui te fonce dessus. En fait, tout ce qui arrive sur toi et qui est détaché du corps du lanceur est compté comme un projectile. Ah ouais, mais ouais. Parce que tu vois, vraiment, Horn, le fait que je puisse bloquer à la fois. C'est pas vrai, hein. Parce que la bandelette de Amumu, elle est toujours attachée à son corps, mais elle est quand même counter par le sorte de Yasuo. Alors, ça ouais. Peut-être. Ouais, mais ouais. La bandelette de Amumu, elle se fait bon. Counter par le. On n'a qu'à dire que Amumu. Amumu, c'est victime par le jeu. On peut dire que Amumu, c'est une exception.
Moi je veux un rework de Amumu où on augmente ses dégâts. Amumu ADC. Non mais c'est vrai qu'Amumu ça serait pas mal qu'il dégage le Z là, le truc où tu pleures là, ou même le E en vrai, non le E c'est horrible. Le E c'est bah, trop bien, tu rigoles ou quoi? Non mais le E c'est horrible en termes de mécanique, je veux dire, tu tournes, tu mets un coup de tête autour de toi. Le but de ton perso c'est de te regrouper sur les gens. L'avantage en fait le E il est hyper pratique quand tu joues dans son rôle classique qui est normalement jungler. Oui voilà c'est ça. Mais je suis d'accord. Pour farm ou pour essayer de DPS un minimum, c'est pas mal. Mais en fait le truc c'est que le personnage du coup ça lui enlève une mécanique alors qu'il pourra avoir une mécanique supplémentaire. Mais vous voyez ce qui serait bien avec les persos même comme ça qui peuvent à la fois aller genre sur la botlane ou sur la jungle comme Amumu. Ouais. Mais ce serait bien en fait que selon le rôle qu'ils ont, et ben ils ont des effets différents. Genre, et ouais, parce qu'en fait, à la base, Amumu est un jungle, point final. Oui, voilà, mais le truc. Parce que c'est... Quand tu regardes dans les supports, il n'est pas proposé. Hein. Oui. Oui, mais le truc, ce que je veux dire, c'est que genre, c'est intéressant de pouvoir changer un petit peu les passifs des compétences selon le rôle du gars en face. Comme ça, ouais, ça permet de. Donc, sur certains personnages très, 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 très rares, comme Tahm Kench ou Pyke, par exemple. Parce que, en fait, c'est des personnages qui sont joués support, et s'ils sont joués sur une autre voie, sont beaucoup trop forts. Ouais. Et du coup, ils sont. T'as des spells qui changent sur Tahm et sur. Enfin, des spells. Ah. Des descriptions des sorts qui vont changer sur Tahm et sur Pyke en fonction de la voie où tu vas les jouer. D'accord. Pour éviter ça. Ok, bah c'est cool. Justement, je me dis, justement, pour la rejouabilité, ce serait pas mal. Après, ça reste très léger, tu vois, en termes de changement, mais c'est un changement qui fait que le personnage est équilibré plus ou moins en fonction de la route. Est-ce que tu veux prendre un perso en premier? Moi, je peux swap si tu veux avec toi. Moi, je peux swap avec toi. Je pense que je vais jouer Wai, quoi qu'il arrive. Vas-y. Moi, je vais attendre un petit peu, je vais réfléchir. Je peux peut-être prendre Miss Fortune. Ah, je pense que de toute façon ouais. C'est Miss Fortune, Biagio, en fait, malheureusement je suis pas encore prêt. En ce moment, la DC du moment c'est Jinx ou Jhin. Ça... Ouais mais donc, les deux, Jinx en vrai même si j'apprécie le perso sur Arcane. Ah, Jinx c'est fumé, hein. Jinx c'est fumé. Ah oui, non mais justement j'aime pas trop les persos comme ça qui sont fumés sans qu'il y ait vraiment de difficulté quoi. Genre c'est juste ouais. Tu cliques et tu tires quoi. C'est... Enfin, Miss Fortune aussi techniquement, mais j'aime bien genre essayer un petit peu de varier avec Miss Fortune. J'aime bien genre ne pas juste claquer mon Q sur non, sur Miss un Fortune, ennemi. En vrai c'est cool parce que il y a un côté un peu skill et un peu marrant même de quand t'arrives à trouver un bon placement pour ton R, que tu mets un R et que tu vois les gens mourir les uns après les autres, c'est vraiment satisfaisant. Mais oui, c'est ultra satisfaisant. Ah, je pense, ouais, Miss Fortune. Hein. Je garde mon heal. Non, je vais enlever mon heal. Je prends quoi à la place du heal, du coup, à ton avis? Je prends une TP, tu penses? Non, TP, c'est inutile. Vas-y, vite. Une barrière, je sais pas. Ou alors, je mets un embrasement. Tu sais quoi? Je pense que je vais prendre une TP à la place du soin. Comme ça, au moins, la tour, je pourrais au moins la défendre un minimum. En cas de mort. Ouais, bon, non, je vais plutôt prendre la barrière. Regarde les trucs sur... J'avais hésité avec la barrière, mais ouais, je vais plutôt prendre la barrière. Oh, j'aime pas Pyke, c'est trop chiant. Pyke, ah ouais, je déteste lui. On va falloir jouer avec nos petites merdes. C'est vraiment trop classe ce qu'ils ont fait quand même pour Miss Fortune. Je sais pas s'il y a d'autres. Ah, bon. Ah, bon, bah, quelqu'un va prendre un petit ban de 30 minutes. Ah, mais c'est problématique du coup, parce que si Lucas il revient pas. Il devrait revenir vite, hein, mais... C'est chiant, par contre, là, vraiment, je suis déçu, là. C'est un peu décevant. Je vais mettre ma caméra. Voilà. De retour. Allô. Ouais, par contre, Andy raconte qu'il fait partie d'une secte maintenant.
Ah, c'est une secte chrétienne, mais apparemment. Ouais, ils ont eu peur de vous, je pense. Du coup, ils ont perdu à Mimu, hein. Ouais, bah ouais. Dans la Mimu, ils ont fait « Oh non, pas le E où il tourne sur lui-même. » Pas le E, non, je ne veux pas prendre 80 points de dégâts physiques. Magique, je sais plus. En plus, je ne veux pas prendre le E, il fait des dégâts. Justement, le E, en vrai, en termes de dégâts, c'est ce qui est, sur le papier, être censé le plus fort, parce que c'est en fonction de l'armure de la Mimu. Oh, punaise, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce genre de choses. Ce genre de petits cons. Eh oui. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Écoute, moi j'aimerais bien $1 million. D'habitude je demande, au cas où un jour peut-être une personne comme ça va dire bah ok vas-y tiens. Peut-être que t'es gourmand sur la somme, peut-être que tu devrais baisser un peu la somme et... T'as raison, j'ai demandé 900 millions. Ça me semble un peu plus honnête. Mieux, donc. Voilà, beaucoup moins gourmand. Bon, ok, je descends à 1000 euros, pas plus. Ah, 1000 euros, c'est pas assez, je pense. Hein. Ouais, je sais, mais bon, avec l'inflation et tout, les gens, ils ont plus. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es un mec qui pense à tout, toi. Ouais, j'avoue. On me le dit souvent. Ouais, j'avoue. Oh, j'ai 89 capsules de champions à ouvrir. Super. Pourquoi tu ne les ouvres pas? Parce que j'ai tous les champions. Je crois que tu joues depuis la saison 3, non? Tu peux pas donner. Oh putain, il y a le bazar, j'avais pas vu que c'était revenu. Voilà, quoi, je vais utiliser mes... Eh oui, bah... le bazar. Bah moi non, du coup. Oh putain, par exemple, je pourrais acheter Amumu Infernal. C'est un petit chroma. Putain, mais attends, je peux pas l'offrir à Virgile pour de vrai? Oh, je peux pas. Oh, c'est trop bien. En Ariel 97. On peut pas acheter le bazar. Si je prends Yone, j'ai un éternel et j'ai un skin. Oh bah je vais vous acheter. Vous préférez un skin de balise ou une icône mystère? Une icône mystère. Je préfère une icône. Okay, parce qu'en fait, avec les essences bleues, on peut, vu qu'il y a le bazar, je peux vous offrir des trucs en essence bleue. Alors du coup, j'en profite. Tu m'as dit une icône. Tu as une icône. Voilà. Et tu sais quoi, t'as même un skin de valide en fait. Vous avez deux parce que finalement j'ai beaucoup trop descendu. Parce que j'ai quand même 230,3 000 essences bleues. D'accord. C'est pas bon. Andariel, c'est envoyé. T'as reçu Tanguy? Je sais pas où je suis censé le recevoir. Ah, dans la petite cloche en bas à droite. Non, il pisse au cul. Quelle cloche? Il n'y a rien qui s'affiche. Au cul! Si, au-dessus de la croix pour des tags. Ouais, je vois notification, mais c'est grisé. Mm-hmm. Je crois que j'ai pas le droit. Je crois que moi je suis puni pour m'être vanté comme une grosse merde de mon Platine 3. Ah ouais? Par contre, je regarde les skins, il n'y en a pas un seul qui soit stylé, quoi. C'est tous des skins un peu moches, quoi. Oh non, j'ai rien dit, il y a Rumble Café Chouchou! Attends, mais par contre, vous avez vraiment pas reçu, les gars? C'est bizarre. Moi, j'ai rien reçu. Ouais, mais je pense que ça prend du temps. Je pense que ça prend du temps. Je regarde les skins, mais il y a qu'un seul café chouchou, c'est Rumble? Non. C'est juste que tu n'as que Rumble. Il y a que Rumble café chouchou? Non, tu n'as que Rumble. Ah, ça montre les personnages que j'ai, ouais. C'est ça? C'est ça. Il y a des skins, fait des trucs. Je sais pas si je les ai, genre, depuis quand j'ai Bard? Depuis quand j'ai Corki? C'est la musique que fait Bard. Essence bleue, champion possédé, skin possédé. Alors moi je veux tout voir en essence bleue. Oh là là, comment c'est incroyable! De possibilités chromatiques. Par contre, agent vie. Les skins policiers avec un gros décolleté et tout. J'ai un avis dessus. Attendez, mais vous n'avez vraiment pas reçu les cadeaux là du coup? Non, toujours pas. Ça Parce met du j'ai temps. Vraiment perdu, j'ai vraiment perdu l'essence bleue quoi donc. Écoute, ça va arriver, hein, c'est tout. C'est pas grave. Mais par contre, 12 minutes la recherche de game.
Ouais, je fais des tags en tag. Écoutez, vous pouvez me remercier. Hein. Ça nous permet d'avoir un petit moment de discussion, de tranquillité avant la guerre. On va se taper dessus. Ça va être génial. Ça va être quand vous allez vous découvrir, vous verrez. Hein. Vous aurez le cadeau. Maybe. Un peu de mystère. Hein. 1500 essences bleues. D'abord, je vais regarder s'il n'y a pas des chromas sur les persos que je joue. Yonia, j'espère qu'on va avoir une scène. D'ailleurs, je viens de voir un tweet, mais genre j'espère qu'on aura une scène genre épique et stylée comme celle du combat entre Jinx et Echo. Ça, c'était vraiment classe. Ah ouais, le combat Jinx Echo dans Arcane, il était incroyable. Ah là là là. En plus, je me souviens, genre le jour où c'était arrivé et tout, je l'avais regardé, je t'avais spammé pendant des jours pour te demander. Ah là là, tu ouais, l'as vu? Tu m'avais pas spoil, d'ailleurs c'était trop mignon, tu m'avais pas spoil, c'est trop mignion. Ah bah non, écoute, je ne pouvais pas te spoil, c'est ton perso. C'est ton perso. Vraiment, c'était classe. Par contre, j'ai pas très bien compris ce truc, genre est-ce qu'il pouvait vraiment déjà voir dans le futur et tout? Genre, ils pouvaient prévoir. Vu que les pouvoirs, ils étaient pas. Et vu que les pouvoirs, ils sont pas vraiment inculqués dans Arcane, tu vois, pour l'instant, ils ont juste montré qu'en gros, il anticipait juste les choses, tu vois. Ouais. Avec la montre dans les mains, et justement, c'était une référence au fait que. Oui, voilà. Dareko, avec l'Arcane, il va pouvoir. Voilà, c'était juste une ref, c'était pas. Ouais. Et pas encore ses pouvoirs, mais j'ai bien aimé toute la série, tu vois. La scène de fin a été vraiment classe, mais je trouve vraiment le truc que je me rappelle le plus souvent, c'est le combat justement entre Jinx et Echo. Je trouve il était tellement bien, et puis le fait qu'il y ait une musique, le fait qu'ils fassent un petit peu aussi un parallèle entre le fait qu'ils étaient enfants avant, que justement ils étaient potes et tout, ouais, c'est ça, potes, ouais. Et genre vraiment, en plus, tu les vois pas tant que ça ensemble, et puis juste ce petit truc là, tu vois, tu te rends compte que bah ils s'entendaient bien. Ils ont, une boss line du coup dans LoL, ils ont rajouté une boss line dans LoL pour c'est classe. Ça du coup, à la sortie d'Arcane, où en fait Echo il confie qu'il est amoureux de Jinx, mais que maintenant, après tout ce qu'il a fait... C'est trop mignon. Trop mignon, c'est dommage. Du coup ça rajoute encore de la profondeur, c'est fou. Genre, ouais. Je dois t'affronter, j'ai pas le choix. Et maintenant tu te demandes, mais bordel de merde, quand est-ce qu'ils vont sortir leur MMO? Et... Genre vraiment, parce que là tu vois, genre en termes d'histoire, ce serait intéressant, genre il y a des trucs à faire. Bon après, Riot, l'histoire au niveau de LoL, ils s'en foutent, hein. Clairement Mais tu sais qu'ils l'ont rework déjà trois fois l'histoire de LoL. Chaque personnage a été changé au moins trois fois au niveau de son script. Et je pense qu'avec Arcane, du coup, je pense que ça va être basé, ça va être vraiment la base, on va dire. Je pense que ça va leur permettre de rester sur quelque chose de fixe, parce qu'avant ils n'avaient pas justement... un mode de jeu PVE qui permettait justement de vraiment de fixer le lore. Il n'y a que des descriptions de personnages, des voice lines, et certes sur certains jeux ça fonctionne, comme dans Overwatch. Dans Overwatch t'as ce genre de choses, avant qu'il y ait eu des événements PVE, t'avais justement ce genre de choses, t'avais des voice lines, etc. Et ça fonctionnait, tu vois. Et genre t'en avais tout le temps, c'était pendant game, avant la game, etc. Donc ça a bien fonctionné. Le truc c'est que LOL c'est genre vraiment c'est tellement mécanique et c'est tellement genre t'es pris dans le jeu. Que du coup, parfois tu fais pas attention au voice line et tu. Ah, mais tu sais que moi, quand je joue un perso, j'aime trop juste regarder, me poser sur YouTube et taper voice line interaction et taper le personnage qui s'ensuit, tu vois. Ouais, c'est vraiment très très bien parce que vraiment, LOL, c'est le genre de jeu, tu vas pas l'écouter pour ses voice lines parce que c'est pas que tu voudras pas, c'est que tu pourras pas en fait si tu veux te concentrer sur le jeu mécaniquement. Et puis il y a des personnages, tu vois par exemple Fiddlesticks, quand il fait un contrôle 2 sur les champions, t'apprends la plus grande peur du champion, tu vois. Mais en fait, c'est classe. Va faire un contrôle 2 quand t'es en fight contre un mec. Va faire un contrôle 2 pour t'arrêter et taunt le mec. Et en plus avec les 160 persos là qu'il y a, mais le pire c'est ça en fait, genre à chaque nouveau perso ils sont obligés de rajouter une voice line à Fiddlesticks. Oh, le voice actor de Fiddlesticks, je peux t'assurer, il se fait des couilles en or à chaque perso. Voilà. J'avais vu la vidéo et tout, le mec est super fort parce que il y a certes des modifications sur sa voix, mais s'il y en avait pas, comprendrait tout pareil que c'est Fiddlesticks, quoi, parce que vraiment il est vraiment bon, quoi, dans le timbre de sa voix.
Je pense avoir déjà vu une vidéo comme ça, genre c'était quelqu'un qui jouait à Aatrox et qui justement trollait en disant des trucs genre en mode je suis dépressif et tout avec sa grosse voix épique et tout, et c'était incroyable. Mais après, ce qui est plus fou, c'est genre quand t'as des acteurs de doublage qui commencent à jouer un jeu et qui justement jouent leur perso et genre disent leur voice line dans le chat et tout, et que t'as des réactions, ça j'adore aussi. Bah, c'était beaucoup arrivé avec avec Overwatch, c'était arrivé, je sais. Ouais, avec Overwatch, mais même avec LoL, il y avait un personnage qui est sorti, Kled, je sais pas si tu vois, mais son... Kled, oui, alors, oui. En fait, sa VF, elle est hyper connue, tu vois, et lui, pendant ça, il avait vraiment surfé là-dessus, et c'était hyper cool de voir ça. C'est le voice actor d'un gobelin d'en haut, d'ailleurs, aussi, parce que ouais, sa voix me fait penser à un gobelin d'en haut. Alors, comment il s'appelle, ce mec, déjà? Acteur de doublage, Kled, hein, acteur de... De doublage, pas de double piège. Acteur de doublage, Kled, LOL. Ah oui. Oh, enfin, Pierre-Alain de Garrigue. Hey. Mais oui. Hey. C'est encore mieux. C'est le tavernier de Hearthstone. Punaise. Sur Twitter, il est trop mignon, lui, par contre. Il fait du super bon boulot. Il fait même des shorts sur YouTube qui sont vraiment géniales. Voilà, oui, bah oui. Et du coup, pendant un temps, du coup, vraiment, il jouait Kled, en gros, en convention, quoi. C'était trop classe. Il fait Yukong et Emmerdinger. Tu vois, il fait trois persos qui sont complètement timbrés, quelque part. Bon, Emmerdinger, c'est peut-être le moins timbré. Ouais. Mais ouais, c'est toujours des persos un petit peu excentriques. Ouais. Alors, Yukong, c'est littéralement le roi singe. Hein. C'est littéralement l'inspiration du roi singe. Emmerdinger, c'est pas une inspiration, c'est juste un perso. Par contre, j'ai hâte que genre le MMO de LoL soit là, parce que comme ça, on va pouvoir voir si les Yordles sont pris au sérieux, ou si c'est la même chose que les gnomes et les gobelins sur WoW. Il faut savoir que sur WoW, les gnomes et les gobelins, en fait, tu vois, parce qu'ils sont tout petits et parce qu'ils sont intelligents et qu'ils font des machines, bah, du coup, ils leur prêtent genre une intention qui est de genre, ils sont trop rigolos, regardez-les, ils s'agitent et ils disent des trucs qu'on comprend pas, en mode, tu sais, c'est genre, ouais, ce genre de choses. En vrai, c'est un peu ça dans le jeu aussi. Hein, c'est dommage, en fait, hein, parce que genre, tu fais des... Bah, le pire, c'est que tu fais des personnages justement, et genre Emmerdinger, tu vois, dans Arcane, il prend cher, genre il perd sa place. En fait, c'est pour ça qu'il y a des personnages qui ont plus de profondeur là-dedans. Genre, par exemple, Rumble, tu vois, il en a eu marre un jour de se faire marcher dessus, et du coup, il a créé une espèce de monture, quoi, une machine, pour justement qu'on le prenne pour. Mince. Pour un dur à cuire et tuer. Je crois que la game, elle a. Je crois que ouais, j'ai des tags parce que vous êtes à 7 minutes. On est à 7 minutes, j'ai des tags, on va partir en normal game tranquille et puis tant pis. Hein. Ouais, t'as raison. Bah attends, je reprends juste. Ah oui, merde, je vais prendre un rôle. Miss Fortune, hop là, c'est bon. Et je vais prendre le shield. Voilà, on est bon. Par contre, c'est étonnant que. Genre, j'ai souvent fait double choix, tu sais, genre, comment ça s'appelle ? Bah, j'ai pris, tu sais, bot et jungle, et j'aurais pensé que... Tu peux retac, t'inquiète, hein. C'est juste, j'aurais je pensé... Je crois qu'il est bougé, non ? Tu changeais d'endroit, quoi ? Allez ? Excuse-moi, j'avais coupé mon casque, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Bah ouais, du coup, un truc que je comprends pas, j'aurais cru que ADC c'est un rôle qui soit plus pris que jungle, mais sur toutes les games que j'ai lancées avec Miss Fortune, je suis arrivé plus souvent avec Miss Fortune que c'est Joanie. ADC jungle, pour moi, c'est les deux postes les plus difficiles à jouer, alors forcément, quand tu mets un des deux en premier... Tant que ça en fait, en fait, le truc, c'est que jungle, je pense que c'est quand même plus joué que ADC, parce que en ADC, les personnages sont hyper fragiles. Tu sais, ils sont hyper squishy. Ouais. Du coup, il y a quelque chose de très frustrant. Ah, tu fais 30 minutes de partie, il y a un Z qui a le même score que toi, qui te one-shot, et tu sais, ça peut vraiment être horrible. Quoi, de... J'ai souvent ça. C'est pour ouais. ça que jouer ADC, c'est très 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 technique. Il faut faire extrêmement attention à ses placements. Jouer avec son support constamment, si ton support il joue mal, tu te reposes que sur toi-même. Tu peux t'en sortir, hein, mais c'est beaucoup plus difficile.
Ah là, tu vois, par exemple, j'étais en... Bon, je troll, mais j'étais en support Yasuo tout à l'heure. Bon, je troll, hein, je dis ça pour troller, mais tout à l'heure, j'étais justement avec une Miss Fortune qui n'était pas sur la lane. Et du coup, j'ai réussi à tenir une Lux et une Tentacule là, qui balance des tornades. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tentacule balance des tornades, la blanche. Jana, peut-être. Naafiri aussi, c'est un personnage que je vois pas beaucoup jouer. Eh ben ouais, bah justement, la dernière fois, ils ont sorti un truc comme ça. Riot, ils expliquaient qu'ils trouvaient ça dommage que Naafiri soit pas joué parce que c'était un bon personnage pour les débutants, apparemment, ils disaient. C'était un des meilleurs assassins pour débuter en assassin dans le jeu. Quoi. Apparemment, il est éclaté au sol à haut level. D'après Twitter. Ouais, ouais. La Lux, bah, en vrai, là, j'aurais bien aimé avoir Yasuo. En vrai, ça aurait été classe. Mais bon, en vrai, j'ai pas encore le truc avec Yasuo ADC. Je préfère les ADC à distance quand même. Je trouve ADC à distance, ça a beaucoup plus de charme. Enfin, ça a beaucoup plus de facilité après, oui, c'est sûr. Clairement, et d'ailleurs, à la base, les ADC, ça reste à distance. Ouais. Le premier ADC qui est sorti au corps à corps, c'est Nila, et c'est sorti assez tard. Par contre, je suis triste, t'as pris fatigue avec Amumu, j'aurais dû prendre soin. Je prends jamais soin avec Amumu. Bah, tout à l'heure, je t'avais vu avec soin, et du coup, je me suis dit, ah bah, il va prendre soin. Quand ils ont double heal, eux, ils sont trop cons. Ouais, ça, justement, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas très intelligent. Ouais. J'ai pris le skin de Arcade, du coup, vu qu'on a parlé de ça. Le seul support où je prends soin, c'est... Emilio. Et Comid. J'ai du mal à atteindre quelqu'un en fatigue. Ouais, je vois. Après, parce que oui, après, surtout, genre tout ce qui est fatigue, brûlure, etc., surtout pour les trucs qui sont un petit peu corps à corps, quoi. Donc, Emilio, tu vas pas y aller au corps à corps avec lui. Ouais, ça reste cohérent. Par contre, Echo, mid. Ouais. Ah, par exemple, j'ai jamais vu ça. Pour le coup. Bah, parce que je te voyais tout le temps jouer à mid, mais. À la base, ouais, Echo est un mid laner, c'est un peu comme MMU, tu vois, on a plus l'habitude de le voir en support avec Virgil, mais à la base, c'est un jungle, MMU, tu vois. À la base, oui. Là, par exemple, tu vois, 7 jungle aussi, genre étrange pour moi. Non, mais ça, j'ai jamais vu, ça, j'ai jamais vu, par contre. Bah, et vrai, pareil, Kalista top, je sais que ça se fait oui, ça se fait ça. Mais c'est pas non plus hyper, hyper fréquent, quoi, surtout à notre niveau. Après, il y a Kayle en face, normalement il devrait la bouffer, non? Je sais pas, je connais pas trop Kalista. Pas au début, mais. Mais ouais, quand elle va gagner un peu plus de level. Ouais, va... c'est ça, quand elle sera level 6 déjà, elle aura de la range, ça sera beaucoup plus facile pour elle. Kalista, c'est hyper fort, mais c'est hyper technique comme ADC. Kalista, c'est. Je pense que Kalista, c'est un ADC qui plairait beaucoup à Virgil, mais pas à toi, tu vois, par exemple. Ouais. Ah, attends, Virgil, tu es rouge donc, tu vas avoir le skin rouge. Par contre, une question, à quoi ça sert de prendre, ouais. Et il me propose, c'est genre l'épée, tu sais, la petite épée grise là qui va... Bah en fait c'est... Là en genre gros, si t'as la conf, tu commences par ça et tu vas rush ton premier item, en gros. Ah, d'accord. Alors que si tu prends une lame de Doran, t'es déjà un peu plus sur la retenue parce que tu prends du vol de vie, des PV, tu vois. Ouais, mais je sais pas, hein, moi je trouve ça plus intelligent justement de prendre lame de Doran, t'as du vol de vie, t'as des PV, t'as de l'attaque quoi. Bon, je préfère aussi. Hein. Après, et genre, si tu fais des kills, si tu survis, du coup, tu as plus de chances de faire 2 kills et du coup, tu récupères plus facilement des PO. Ouais. Ça me semble plus cohérent de ce côté-là. Ah, il y a quelqu'un là. Est-ce que c'est comme ça? Quelqu'un ici. La jungle, ouais. Lux. C'est Lux. Lux. Lux c'est chiant putain, au début c'est chiant Lux. Ça ouais, poke ouais. Là avec son E. La dernière fois on avait quoi? On avait Lux. Oh non, c'est une bagarre. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, une bagarre. Elle va mourir Kayle. Allez Kayle. Non. Oh oui. Bravo. Elle a flash comme code en plus. Oh non. Je pense qu'elle voulait exhaust. Ouais, raté. Bah de toute façon même si elle avait voulu exhaust, je sais pas, hein, c'était win. Ah, du coup, Kalista, son passif, c'est à chaque fois qu'elle met une attaque de base, elle peut dash. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, c'est bon. C'est le passif de Kalista. Bah, c'est bien un passif de con. Ouais. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché dans la flaque. Ah, il y a
un jeune là-dessus, lui. Je savais pas. Non, je fais pas attention au truc. Hop là, je vole ça et je me casse. Salut. J'aurais dû prendre le soin. Ça va vite devenir chiant. Et du coup, le Warwick, il m'a dans le collimateur. Ouais, moi aussi. Il me sniff. Ouais, je me casse. Les talents qui se lancent pas, ça m'énerve. Ah, les deux PV. T'inquiète. Je vais attendre que tu reviennes. Non, je vais back tout de suite parce que s'il me chope. En vrai, le Warwick, là, il peut me choper facile. Je vais reculer un peu plus. Tant que t'as pas la tête au-dessus. Si, j'ai la tête justement. Là, j'ai 2 PV, j'ai la tête. Allez, on part sur le percepteur. J'ai bien les bottes, hein. Ouais, c'est ça, j'ai les bottes. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Ah, ils ont déjà pris une plaque, putain. Alors que le 7 il se grouille parce que là. On va avoir besoin d'un petit gank. Ils vont vite être chiants. Ah mais je déteste Jinx, c'est une folie. Oh. Ah Jinx en plus c'est tout le temps joué en ce moment, ça rend fou. J'ai envie de tenter un truc mais si je meurs ça va me saouler. Ok, je vais aller sur cette wave là. Merde. Ah putain. Pas de soucis, t'inquiète. J'avais pris clic. Tout ça me touche. Là, j'ai pas de réflexe, je vois Lux lancer son truc et je me dis elle va pas m'attaquer. Ok, nice. Sinon, il y a la Lux dans le dash. Non, j'aurais pas dû faire ça. Je vais regretter. Ouais, on va le regretter tous les deux. Je vais le spam. Ah, 2 PV près, je suis dégoûté. Encore, on a survie à 2 PV encore et encore. Ouais, mais ça me saoule en fait. Hein. Genre vraiment, Lux, enfin, je veux dire Lux, que. Je sais pas quoi. Jinx. Jinx. Jinx, vraiment ouais. Chiante quoi. Genre, j'ai l'impression qu'elle tank tout. Genre, je fais pas de dégâts. Non, toi, de toute façon, avec MF, au début, tu en fais pas. Hein. Au début, il faut que tu fasses des ricochets avec les sbires pour l'époque. Ouais, après, je sais, mais c'est impossible. Ils se mettent pas derrière, donc du coup, ben, je suis baisé quoi. Ils savent, hein, ils savent. Hein. On sait, t'as réussi à avoir Jinx, c'est une bonne nouvelle. Ça, il s'approche de la deuxième plaque. Toujours SS, moi. Ah, je me fais sniffer par Warwick, il est à proximité vu que je suis full life. Je me fais sniffer par Warwick. Et là, ok. Et ouais, mais le fait que j'ai pas le heal, en fait, ça nous flingue aussi, ça me saoule, quoi. J'ai pas fait attention. Ah mince, chaque fois le canon qui crève, genre à 2 PV, genre moi je peux pas le toucher. Hein. Casse les couilles ça aussi. Attention Warwick, t'as vu. Ça, j'ai vu qu'il m'a vu. En plus, ouais, il se planque en mode ah, c'est bon, y'a personne. Bon, tant pis, hein, je vais farm les PO sur sa tronche, hein, c'est tout. Empêche de farm, hein, saleté. Oh, saleté. Saleté, là. Ils sont niveau 5, là, ces connards. Ils peuvent pas baisser d'un niveau juste pour être gentils, là. Je vais me faire des PO sur leur tête, juste sur les attaquants. Je vais pas me mettre dans une position délicate, attention, il y a Lux qui remonte. Hop là, je t'ai esquivé, qu'est-ce qu'il y a? Le sun. Hop là, 2 sbires en moins, attention. Ils ont fait un gros caca. C'est bon, je l'ai mis dans la bouche. Dis-moi.
Ouah, mais par contre, Lux, faut se calmer, ça va tellement loin. Tu rates tout. Hop, salut. Attention, ils ont les ults. Par contre, MF, le mana. Oh là là. Le mana, elle le boit quoi. Genre, c'est. Genre, elle prend une grosse louchée à chaque fois. Hop là. Ult, on aura pas tout de suite. Je voulais les calmes pour vous aider, mais malheureusement, Nafiri m'a intercepté. T'inquiète. On va se débrouiller, hein, on est des grands. Allez, bonne chance. Par contre, la Lux, elle se fend. Hein. Mais j'ai pas compris, j'ai cliqué là. Non, j'ai cliqué à côté, bien sûr. Oh mince, je suis désolé. Ah, mais moi, en fait, je peux pas jouer, en fait. Je peux pas aller prendre deux sbires, je peux rien faire. Genre vraiment, ouais, vraiment, c'est chiant, quoi. Par contre, 7, c'était pas le bon plan, ça. Oh, punaise, en plus, elle nous bouffe avec ses trucs, là. Non, c'est pas trop mal, hein. On est plutôt bien débrouillé. Ouais, mais on se débrouille bien, mais... Elle est chiante, Jinx, là, à un moment. À quand le nerf? C'est décidé, je la déteste. Toujours pas là, ma fille, c'est chiant. Ils sont tous morts. J'ai la tête de Warwick. J'ai la tête de Warwick. Là. C'est Ward là, il y a Warwick, Warwick Drake. Elle me voit pas. Je vais pouvoir go. Let's go. Ah mince. J'ai cru qu'elle allait partir dedans. Elle est où, t'es? Elle est futée. Reste là. Non, là, l'erreur. J'avais pas de mana. J'ai plus de mana, moi, depuis tout à l'heure. Je suis le pauvre que je pense être. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, déception. Ils sont bien fides, les cochons, en tout cas. Nafiri, tu l'as bouffé. Allez, ma grande. Oh, vas-y, bouffe, mange. Oh punaise, là tu te régales. Oh, le Warwick, il est en train de fuir. Hein. Il aura une petite danse. Si tu la stun, il y a un monde. Tu lui pètes sa mère. Hein. Et dès que tu la stun, tu me dis je lance. Là c'est chaud, Virgil, en fait il faut pas de sbire. Surtout si c'est sous la tour. Ah, du coup j'ai pas fait de dégâts et du coup j'ai pas de pièces, très bien, super. Ah mais non, ça n'a pas utilisé ces classes, ça prend. J'aime beaucoup. Ouais, ça l'utilise que si tu prends toi en premier coup. D'accord. En gros, c'est toi qui prends le premier coup ou c'est eux qui te le mettent, mais dans tous les cas. J'arrive, bot. Je suis là, les gars. Oh putain, parfait. Ouais, toi, t'es morte. Allez, salut. Okay, nickel. Non, elle me touche, n'importe quoi, les box de zinzin. Mid Salsas, les gars, ça va peut-être arriver sur moi. Ouais, mais franchement, je go sur elle. Ouais, vas-y, t'inquiète. Là, je m'occupe de la tour. Tu veux au moins prendre une plaque. Ouais, non, mais toi. Hein. T'es zinzin, ma grande.
Ouf. T'as réussi. Pas se battre, hein. Mais je fais pas encore assez de dégâts avec mon ult, hein. C'est fou. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu l'as eu. Tout ce qui compte, tu l'as eu, vous la battez en farm en plus, franchement. Vous êtes bien, vous êtes bien. Ça pourrait être bien pire. Ah, mais je crois qu'ils ont eu deux plaques. Non, ils ont aucune. Oh non! Putain! Quel elle est revenue. Ah, elle est revenue, elle balançait un bel ult. Ah, mais elle tabasse la cochonne, hein. Punaise, j'ai pris deux tirs, j'ai vu mes PV commencer à fondre, j'ai fui, flash et tout, quoi. Au secours. Il n'y en a pas un qui va venir là, regarde-les là. Eh, en vrai? Non, non, non! Non, mais gars! Non, mais par contre. Tiens, vas-y, prends ton crit, toi. Tiens, crève, merci, voilà. Ah, d'un coup, avec un bon écho là, la partie elle change du tout au tout. Bah, oui, de toute façon, il faut vous aider hein, quand ça. Ouais, c'est comme, ça, comme ça. Le truc que je dois faire plus souvent aussi quand je suis au mid, parce que je descends pas assez aussi. Décaler, ouais, ouais. Mais en fait, c'est utile quand tu vois que ça là, il y a une galère un peu, tu décales. Non, t'as vu Naphiri qui monte, Naphiri qui descend. Ouais, Naphiri qui descend, mais Naphiri est en 0-3. Hein. Vous pouvez largement la défoncer. Hein. Ouais, mais là, j'ai plus de PV, plus de mana donc. Non, 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 le dernier coup. Ah, je m'en fous, je meurs, mais j'ai réussi à récupérer ça. J'ai récupéré la tour. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut prendre? Je peux pas prendre le percepteur plus ça. Percepteur ou jambière, à votre avis? Je peux avoir que l'un ou l'autre. Percepteur. Moi, j'aime trop. Ouais, ouais. Ah, bah, je peux avoir les deux, j'ai rien dit, je sais pas compter. Non, mais là, c'est tombé, c'est bon, je retourne à l'école. Il me propose de partir létalité, vu qu'il y a Kalista et Warwick, c'est une bonne idée ça? Ou je peux partir l'âme d'infini et prendre de l'entier le putain. Bien, hein. Ouais, bon bah je pars létalité. Ah non, putain, il m'a air le Warwick, je pensais qu'il n'avait pas. Allez, fais un truc toi. Je vais bugger. Ouais, je prends de la salutation de Dominique. On va dire coucou à Dominique. Pourquoi tu prends mes sbires, sa fils de pute? Pardon. Allez hop, je claquais mon ult pour me sauver la vie. Le site me fait bugger, c'est un truc de fou quoi. Il y a 10 milliards de pubs, ça y est, mon jeu il commence à bugger. Non, moi aussi j'ai eu un freeze dans le jeu. Ah, d'accord, donc c'est pas de mon dû. Juste ces serveurs qui sont en carton. De toute façon, Naphiri n'est toujours pas revenu. Et là, ils redescendent. Lux, Jinx. Par contre, les filles, je vous ai vu. Belle tentative, mais non. Bah toi, mais qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, mais moi je pensais pas que tu allais les affronter, je voulais juste leur mettre un petit coup derrière la nuque. Mais bien sûr que si Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, je les pète. Non, reviens là! Oui, je l'ai eu les deux! Sûr que si, on a l'avantage de la vision et de pouvoir les surprendre. Ah, mais. Ouais, mais je t'avais pas vu redescendre, je me suis juste dit, bon, je vais leur mettre ça et puis repartir faire mon farm. Non, il a encore son R lui! Oh là là, mais putain! Comment tu peux perdre un fight? Tous les jours, il lance. Perdre un fight avec 7 contre un Warwick alors qu'il t'a pas contrôle. Eh bien. Putain. En plus, ils sont pas forcément si loin l'un que l'autre. Bon, l'autre, il a deux morts quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ma grande. Tu te rends pas compte que si je viens sur la lane où tu es, tu vas perdre l'avantage que tu as. Alors. Attention, ils arrivent, j'ai mon ult dans 6 secondes. 3 secondes. Si jamais t'as un truc pour bloquer Jinx, on lui pète sa mère. Stop, Jinx, elle est morte.
Lux, sinon. Ok, parfait, il y a plus de cage, c'est le moment ou jamais. Pourquoi? Mais je touche pas ça, sérieusement. Ouais, non, mais vraiment, ça c'est. Vas-y, vas-y. Par contre, disons la vision ici. Fais attention. Je peux toucher. Oh. J'ai son flash au moins si j'engage là maintenant. Ouais, il pourra pas fuir. 5 secondes, j'ai la. La OE. Parfait. Ah putain, t'es sérieux? Tu l'as? Non, non, non! Oh non! Je me fais combo immo. Non, t'as PV! Oui, merci! C'est pas grave, on l'a eu. Je me fais combo immo sous la tour là, ça m'énerve. Ouais, j'ai vu. C'est chiant. Je peux prendre la T1 avant que Nafi arrive à me tuer. Je pense que c'est tendu là. Faut que je back. Nafi arrive. Non, je la prends ce tour en fait. On s'en bat les couilles. Vas-y, prends-le. Tant pis, au pire, elle me tue. Non, elle te tue même pas, elle est trop nulle. Voilà. Allez, salut Nafi. Allez, salut, étourdi. Tiens, voilà. Oh là là, ce que je lui ai mis, putain. Oh, mais oui. Oh là 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 là. Alors que tu as 2 PV, tu lui mets une race. Oh là 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 là. Trop classe. Là, la Lux qui a tenté quelque chose. Ah, la Fury, c'est horrible pour moi parce qu'elle a 50 000. Ouais. 000 creeps, elle a des petits ads, ouais. Et il tente des choses, genre même. Waouh, genre, je sais pas. Genre même l'armée américaine n'aurait pas osé, quoi. Vraiment, terrifiant, quoi. Oh, Nafiri est juste là. Aussi. Ouais, mais il y a Nafiri au bot. Elle est terrifiante, donc du coup, elle. Là, Tanky. Eh oui, mais je suis pas là. J'étais en bas. Comment ça, t'es pas là? Oh non, mais c'est son creep, ça, la con, putain. Attention, SS de tout le monde. J'ai pas Warwick et j'ai plus Jinx non plus. Je vais mourir. Incessamment sous peu, bah je suis mort. J'ai vu Warwick me foncer dessus. Il t'a R, ouais. Ah non, je pense pas qu'il m'a R, il m'a juste croqué la gueule. Hein. Il a croqué quoi. Bah, non mais vraiment, il y avait Nafiri, il y avait Warwick. Non mais là. Est-ce que je peux les choper dans le bac là? C'est tendu. Aïe aïe aïe. Mais là, ouais, mais Warwick là, voilà, le R a été claqué. Ouais, là allez, il a attaqué. Comment on fait déjà comme ça? Ah, il attend que 36 coups de tour, le fils de. Ouais, putain, deux tours d'un coup. S'il n'y avait pas eu l'ulti de la Lux, je le tuais, mais. Évidemment, elle a toujours son. Putain, d'ulti. Eh bah, ok, mon grand. Oh. Ah, d'accord, vas-y, on va par là. Oh, oui, vas-y, Kyle! Vas-y, fume-les! Je m'en fous. Ah bon, d'accord, je m'en foutrais pas trop finalement. J'aurais pu tenter un ultra mark ce tour. Ça aurait pu passer. Et la Nafiri m'a éclaté alors qu'elle est flinguée. Ah l'ulti, en vrai, je pense que tu peux tuer un. Oh, 3 tours d'un coup. Oh, secours. Oh là là, hop. Et presque un inhib. Tu lui as pleuré dessus. Oh là là. Quel, non, mais non. Oh, genre, regarde 7, hein. 7, regarde-le, 7, il a fait un trou. Continue de faire des trous, 7. Vas-y, fume-le ce gros loup. Fume-le. Ah non, il s'est fait croquer. Ah non, il s'est en fait boss, flinguer. Ouais. Okay. Ah, il a fieri, ok. Et là du coup ils ont fait le dragon. Oh putain, mais vraiment le bot est dans une situation catastrophique. Ouais. Ils ont rattrapé le retard de la mid lane. Et ouais, mais Jinx je peux plus la voir, hein. j'en ai marre. Hein. C'est fou. Chaque fois qu'elle est là, je sais que je vais passer une mauvaise journée maintenant. C'est fou. Je vais la voir dans Arcane, je vais dire putain elle peut pas crever. C'est fou, genre je... Non, non, l'expire, il casse les couilles! Mais ouais, mais laissez-moi tranquille! Ouais, j'ai déjà plus de vie. Allez, c'est bon. Ah là là, putain, là la partie elle est doom, FF, quitter, voilà. Là, si je me fais croquer, c'est foutu. Vous me dites si ça descend. Bah là, gros, j'ai vision sur personne. Hein.
T'arrives la vision. Ah bah voilà, c'est bon, je suis mort. Ah, oh, il aurait fallu que je flash avant, après. Oh, allez, salut. Oh, ça me saoule. Mais Nafiri. Genre, son ult, c'est littéralement un aim lock. Qu'est-ce que tu veux faire? Surtout que Nafiri, j'ai mis au fond. Hein, parce que je suis sorti de la phase de lane en 6-0. Hein. Et elle remonte à un 6-3-5 là. Oh là là. Ça me casse les couilles. La porte, la colère de la lumière. Oh non, il était ralenti. Kit ennemi a tué le Nashor. Bah super, là. La situation ne peut qu'empirer là. Eh bah. Ouais. Ok. Bon bah écoute, je voulais venir vous aider mais. Je vais me faire sentir le cul. Il me sent en fait. Ouais. Aïe aïe aïe. Je peux pas venir t'aider. Je suis tout seul. Qu'est-ce que je peux faire? Bah écoute, on va essayer de protéger ceci. Seulement j'avais mon ulti. Ouais, c'est bon. Je l'avais pas. Ça me casse les couilles. Il me restait une seconde. Quoi. Faut prendre de l'anti-heal là, là, juste après. En vrai, tu peux. Bon, voilà, ouais. Bien joué. Allez, tiens. Incroyable, nice. Allez, voilà, là, tu peux bien les te faire foutre. Et toi, de où tu tires d'aussi loin? Bah oui. Le canon avec le Nashor. Oh non. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? T'en occupes pas, recule pas. Mais moi, j'ai juste envie de retourner à la base et de boire un thé, là. J'en peux plus. Un petit Earl Grey, là. Petit Earl Grey. Virgil, ce sera une potion de soin rouge. Oh non, vas-y, c'est pour ma gueule. Je suis mort. Mais t'es que... Si Virgil se met sur toi, Enfin, si quelqu'un se met devant toi, je fais pas catch. Mais oui, mais même, Virgil se fait défoncer la gueule. Genre, ce perso, c'est débile. Genre, deux persos débiles contre nous, tu veux faire quoi? C'est trop... J'ai besoin d'intelligence, là. On va aller jouer Heroes of the Storm. Là, il y aura de l'intelligence. Il n'y aura pas des persos extrêmement craqués qui ont besoin de 10 milliards de persos pour pouvoir le buter, quoi. J'en peux plus. Ouais, ce chi, on peut les fumer, là. Il y a que toi qui peux nous carry, quoi. Genre, eux, ils sont 3 là. Genre, c'est Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est trop naze, ma Kayle. Il y a le Warwick en haut qui s'occupe de la tour en plus de ça. C'est terrifiant. Oh, vas-y, la tour elle va se faire mais détruire. Oh, adieu la tour. La Gopa. Hein. Non, il était à 2 PV de crever. Mais il était à 2 PV de crever. Il était à 2 PV de se faire percepter cette espèce d'énorme enfoiré. Ah, j'ai pas réussi à atteindre. Non, c'est rien. Ta TP. Ouais, bon là la partie elle est doom, hein, je pense. À moins que vraiment genre Lucas tu nous fasses mais genre un truc pixel de chez Pixel. On peut y arriver, hein, on peut vraiment y arriver. Hein. Ouais mais là en vrai regarde, là ils arrivent top mid et tout et t'as 7 qui push en bas quoi. Oh là 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 là. Regarde, une tour elle détruite. Un inhibiteur détruit, une tour à mid life. Là il faut que Kayle est back, faut que Kayle protège le Nexus parce que là t'es trop, on s'en bat les couilles ma grande. Ouais bah voilà. Hein. Ah mais Kayle il est aveugle là. Il veut juste la peau. Bon, Lui on le fume, lui on le fume. Non et bien sûr je me prends le. Oh. Vas-y on continue hein. Non continue, okay. on fonce. Alors, ouais, moi je veux bien mais il y a les creeps de l'autre connasse là. Ah bah en fait franchement même si tu te prends les creeps, on s'en fout. Non s'il te plaît, 7 s'il te plaît, back part. De merde. On a besoin de tonnage, Audric là. Je suis mort. Bah ouais voilà. Non mais vraiment, mais... Tu l'as mis au fond du trou et pourtant, elle nous explose la nouille. Mais c'est vraiment un perso de con. Mais genre, que des persos de con. Genre, Jinx perso de con. Nafiri perso de con. Je sais pas, Lux perso de con. Warwick perso de con. Y'a que Kalista qui, on va dire, un peu technique, comme tu me dis, mais ouais, tout le reste, c'est des persos de con. Non mais après, on s'est jamais battu à 5. Hein. Oh là là. Une bagarre à 5. Et même pas fait, qu'elle fait pas de dégâts. Mais non, mais c'est terrifiant. Regarde 7.
Non, mais je pense que Seth il a abandonné l'idée en fait. Il a vu que la game était Doom, il s'est juste dit bon bah je vais juste essayer de push la. Mais il est con parce qu'en fait quand la base elle est quand même assiégée, ouais. il faut qu'il soit là quoi. C'est fou hein, parce que vraiment ce jeu fait ressortir toute la haine que tu peux avoir pour l'être humain. C'est une folie. Je sais pas, genre vraiment je. Genre des persos comme ça, genre aussi débilement forts. Juste vraiment Nafiri, un ult qui lock. Littéralement qui lock et qui te bouffe la moitié de tes PV. Ah, c'est pas son ulti, hein. c'est son Z ça. Son ulti, c'est ça augmente la portée du lock justement. Oh punaise, vas-y, c'est bon. Super. Super votre jeu. Hein. Mais en fait, tu vois, si quelqu'un se met devant, ça fonctionne de la même façon que l'ulti de Caitlyn. Je suis sûr, elle mettait une race à Mumu là, je crois, en plus. De toute façon. Genre, c'est. Et en plus, avec ses tas de creeps autour, vas-y, va la choper avec une bandelette. Genre, c'est chiant, juste. Je vais commencer à avoir tous les autres ADC que je peux prendre juste pour ce cas-là, en fait. Mais... Ah non, mais Jinx, juste Jinx, c'est très fort, hein, Jinx. Mais Jinx, je vais prendre Vayne, ouais, tu vas voir, Vayne. Mais Vayne, en vrai, c'est chiant, c'est pas amusant à jouer. C'est débile aussi. Vayne, c'est incroyable. Hein. Vayne, bien joué, c'est incroyable. Hein. Ouais, Vayne, je sais. Vayne, tu peux faire des plays de fou. Hein, par contre, en passif, d'avoir des dégâts bruts, je suis désolé, mais les persos avec des dégâts bruts en passif, c'est du racisme assumé. Hein, après, il en faut des persos comme ça. Hein, parce que sinon, dans une compo avec que des tanks. Ah, c'est vrai. Bah, après, oui, forcément, mais. Mais bon, personnellement, moi, les persos comme ça avec des dégâts bruts. Maître Yi, c'est un perso exactement pareil que des auto-attaques qui font des dégâts bruts, c'est pareil. Hein. Xayah, est-ce que c'est bien ou c'est trop technique? Xayah, c'est très très bien, mais ouais, c'est technique, c'est en fonction de ton placement en fait que ça va se jouer. Oh, Xayah. Après, tout simplement, H, hein, si j'ai pas envie de m'embêter. H c'est hyper fort et c'est pas très difficile à jouer. Ouais. Ouais, c'est débile, mais bon, elle a de la classe et elle est amoureuse de Tryndamere, donc. Elle a certaine classe. Et Aphelios, t'as abandonné l'idée? Aphelios, t'as abandonné. Aphelios, il reste quand même dans un coin de ma tête. Hein. Ces jours, j'en reviendrai parce que bah, j'ai affronté deux Aphelios, ils sont un tout petit peu chiants, quoi. C'est... Ouais. Ils ont 1 million de PV et ils font 10 millions de dégâts. C'est... Et Corki, t'as testé? Corki, mais je l'ai même pas, Corki. Non, j'ai pas. Et Corki, non, de toute façon, Corki, c'est déjà son design. Voilà. Et ensuite, après, j'aime bien le fait que, genre, un truc classe que je trouve sur le perso qui est Corki, c'est le fait qu'il y ait une bombe, genre, à récupérer à chaque fois à la base. Ah ouais, il a enlevé ça. Ah punaise, mais. Il a enlevé, genre, là en plus. Genre le truc en plus que je trouvais que c'était assez fun et assez unique pour un perso, mais non il a fallu qu'il le retire en mode non, c'est vraiment trop fort. Et alors, tu le retires en ranked, tu casses pas les. Non, mais là il l'a retiré juste parce qu'en fait les gens jouaient Corki en mid et que en mid et pas en ADC. Et du coup, il est en personnage en tant qu'ADC. Et du coup, pour le rendre ADC, ils ont enlevé le package et ils ont mis des dégâts bruts sur sa Gatling et sur ses attaques de base. D'accord. C'est très craqué, donc. Ouais, c'est très 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 fort. Hein. Personne ne le joue parce qu'il est moche. Son design en même temps, il n'y a pas. Hein. Genre peut-être un redesign de sa machine volante, parce que sa machine volante, je suis désolé, c'est du bois et du métal vieux. Ouais. Je sais pas où. Là, je neg quand même de la game, parce que franchement, on pouvait. Hein. Bah, on pouvait s'il y avait une équipe, hein, mais bon, t'as bien vu, le set était pas là. Nous, le jungle était naze, ouais. Notre jungle était vraiment nul. Il aidait pas beaucoup. Ouais, mais non, mais vraiment. Il y a des parties comme ça, tu te rends compte, genre, plusieurs minutes avant que c'est foutu. Ouais. Et genre, tu te dis, peut-être que. Il y a une fois sur trois où ça passait, une fois sur trois. Enfin, deux fois sur trois où bon, ça passait. Est-ce que vous voulez en faire une ou pas? Par contre, Brand qui peut être joué à trois endroits différents, c'est terrifiant. Ok. Est-ce que t'as envie de partir ADC, Virgile? Non. La réponse est directe. Pourquoi tu voulais sup? Bah en fait, non, j'aurais bien voulu voir Virgile en ADC, justement, et le sup, justement. Bon, après, si tu veux, mais bon. Bah, en vrai. Tu voulais partir jungle? Bah, vas-y, pars jungle. Hein.
Moi, bah, c'est quoi si, c'est moi, si tu veux, tu peux le sup, mais je crois que je vais mettre les dents dans la gorge, quoi. Les deux au fond de la gorge. Écoute, je vais prendre Morgana. En vrai, ça fait longtemps, Morgana, j'adore son design et tout, ce personnage, je trouve très classe. Et le fait qu'elle ait un passif avec Kayle. Et puis, elle était dans la dernière grosse cinématique de LoL, donc c'est vraiment trop bien. Morgana, en même temps, elle est un personnage hyper important dans le lore de LoL. Elle a fait quoi de spécial? Je sais qu'elle a trahi et tout, mais... Morgana, elle est vue un peu comme la méchante sœur, entre guillemets. Attends, tu la joues à DC dans ta Morgana? Non, non, je vais changer, t'inquiète, je regarde justement les runes. Elle est vue comme la méchante sœur, etc. Mais en fait, juste, c'est parce qu'elle refuse d'obéir à sa mère, qui est la représentation de la justice dans LoL. Et du coup, bah... La majorité des pouvoirs de sa mère sont légués à Kayle, qui l'avait prise du coup au plus haut point. Et du coup, Morgana sert de côté obscur, en gros, à la justice. En gros. D'accord. En gros, pour montrer qu'en gros, il y a la justice, ça, quand même. Ouais, c'est l'équilibre dans la justice, c'est Morgana et Kayle. Quoi. C'est classe, c'est classe. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, tu vois vraiment, ça, c'est du bon lore. Et puis après, tu vas voir le lore d'une vieille meuf là qui traîne dans le désert et qui pille des trucs. Génial. Ouais, super. Bon, vraiment, c'est soit t'as un super lore sur des persos qui peut être intéressant, soit c'est du lore. Tu te et après, t'as Shaco qui n'a aucun lore. Non, mais Shaco, c'est juste un clown. Genre, il ne m'intéresse pas. C'est quoi la plus grosse peur de Shaco, du coup? Franchement, je sais même pas, parce qu'à chaque fois que je vois des Shaco, ils sont là pour one shot. Je vais aller voir sur YouTube. Eh ben attends, mais en plus, Fiddlestick et Shaco sont liés avec. Ouais, Fiddlestick, Shaco et Nocturne sont tous les trois liés dans l'histoire de... En fait, il a pas d'histoire, Shaco. Shaco, elle tient sur un paragraphe, ça. Non, mais juste son lore, c'est parce qu'il est à peu près, on va dire, frère avec deux autres persos qui sont plus stylés que lui, quoi. Après, Nocturne, c'est un petit peu le genre de perso, tu sais, quand t'as 12 ans, que t'adores Sasuke, Uchiwa de Naruto, et que t'as envie de jouer un perso qui est un peu dark ténébreux. Quoi. Mais je crois que c'est... Mais en fait, c'est même pas un démon, Shaco, donc je sais même pas ce que c'est, parce que Fiddlestick... C'est le démon de la peur. Nocturne, c'est le démon. C'est un démon aussi, mais je sais pas lequel c'est. C'est peut-être le démon. Je sais pas quel démon c'est. Shakozy. Fabriqué il y a longtemps pour servir de jouet à un prince qui se sentait seul. Shako est une marionnette enchantée qui se repaît désormais de meurtre et de chaos. Corrompu par la magie noire et la perte de sa chère mission, le pantin autrefois gentil ne se réjouit plus que du malheur des âmes qu'il tourmente. Il utilise ses jouets de. Et ses mauvais tours pour répandre la mort et le sens, qu'il fait follement rire. Tous ceux qui, la nuit venue, entendent un audio ricanement savent qu'ils sont la prochaine cible du bouffon des ténèbres. Ouais, bah c'est Pinocchio qui a mal tourné, quoi. En fait, c'est super nul parce que Gwen a un lore similaire. En fait, je trouve ça trop nul d'avoir utilisé la carte de poupée qui prenne vie deux fois. Tu vois. Bah oui, genre vraiment. Genre parce que Gwen a un lore similaire, sauf que Gwen, elle est plus stylée parce que Gwen, c'était la poupée du roi déchu, quoi. Donc, Après, tu vois, ce qui serait bien, ce qui serait pas mal, tu vois, c'est que ce serait que Shaco, c'est une création ratée de Gwen, tu vois, et du coup, ouais, il a été abandonné, et du coup, il se venge sur le peuple. Enfin, je sais pas, c'est une princesse, tu m'as dit? Ah ouais, c'est ça. D'accord, bah en gros, il se venge sur le peuple de la princesse, et du coup. Ce serait intéressant, tu vois, ça. Bah, tu vois, Viego? Mais encore une fois, ce serait intéressant, genre ça, parce qu'un autre perso entre en compte, mais le perso en lui-même, c'est. Oui, c'est monsieur. Je veux dire, c'est le garde banane du jeu de combat, là. Le jeu de combat qui est sorti récemment, quoi. Ah, tu vois pas ce que je veux dire, mais. Ouais, vraiment, c'est. Genre le perso est affreusement fort et il a un lore catastrophiquement vide. Si tu ne mets pas support, je ne peux pas tag. Enfin si je peux tag, mais je ne peux pas tag. Putain, mais ils font chier aussi. Ils peuvent pas. Je sais pas, genre vraiment, ça c'est nul. Genre parce qu'ils forcent et puis après les gens ils vont prendre un ADC, ils vont jouer Yasuo au support. Oh. Non. Il a dit un truc comme ça, il a dit un truc à haute voix. Attendez, Yasuo au support. Attends, mais merde! Mais attends. Juste mets un truc, je t'en supplie. Voilà, c'est ça. En fait, désolé, c'est juste que j'étais en train de mettre Yasuo au support, mais j'avais oublié que mon perso était support. Voilà. Ça fait longtemps d'ailleurs. Morgana. Son ult que j'ai toujours du mal à placer parce que les ennemis me visent de façon affreuse. Quoi. Ça... Si j'ai pas le.
quoi la différence entre les 3 œufs pour le jungle? Parce que j'ai vu les mecs qui jouent jungle à Mumu, ils prennent le rouge. Donc, en gros, le rouge. Ouais. Non, le rouge, c'est complètement con. Ouais, le rouge, moi je trouve ça naze aussi. Le rouge, c'est pour que tu slow la cible quand tu vas faire ton smite sur un mec. Bah, même ça. Non, pas du tout. Hein. Le ralentissement, c'est sûr. Non, le ralentissement. Ouais, non, mais c'est ça en fait. T'as 3 œufs, t'as le rouge qui en gros augmente tes dégâts, t'as le bleu qui augmente ta vitesse dans la jungle, et t'as le vert qui augmente, on va dire, ça va augmenter tes PV, ça te donner un bouclier à la fin. Et en fait, en gros, ce que tu dois retenir, c'est rouge DPS, bleu, c'est si t'as envie d'aller vite, et vert, c'est tank. Voilà. Et il n'y a pas une histoire de quand tu smites le mec avec le smite rouge. Il te fait moins de dégâts pendant quelques secondes. Ça oui, en fait, c'est parce que tu disais ralentissez, je sais que c'est avec le vert. Hein. Ralentissement, je sais que c'est le mec avec le vert. Ouais, le mec avec le vert, c'est le ralentissement. Je sais, je le sais, j'ai pas mal claqué sur les ennemis. Parce que moi, je joue que le bleu, je joue que le. Ah, mais attends, mais en fait, oui, j'avais oublié que en fait, bon, moi, les couleurs sont pas pareilles que vous. T'inquiète. Oula, pourquoi je bug comme ça là? Vous avez le petit lag? À moins que ce soit peut-être parce que. Platonisme. Non, non. J'ai l'impression de laguer, mais. J'ai l'impression d'avoir une petite chute de FPS quand même. IPS 81, effectivement. J'étais à 60 tout à l'heure, je crois. Je sais plus à combien j'étais. Alors, par contre, le fait qu'elle court, quand même, vous pourriez la faire flotter, quoi. Genre, s'il vous plaît. Moi, ça, on dirait qu'elle se tape un sprint. Et non, parce que ses ailes, justement, elle a perdu ses ailes. Oui, mais il me semble que le bébé chardon, il fout une dot de brûlure. Genre, il disait que maintenant, avec les nouveaux 7 objets, tu peux cumuler jusqu'à 6 brûlures avec le bébé chardon. Attends, mais bébé chardon, quand votre compagnon finit de grandir, il renforce périodiquement votre prochaine attaque ou compétence qui ralentira et blesse les champions ennemis. Bébé saute nuage. Quand votre compagnon a fini de grandir, il augmente votre vitesse de déplacement quand vous entrez dans les hautes herbes ou quand vous tuez des monstres. Bébé X amandre. Quand votre compagnon a fini de grandir, il octroie un bouclier permanent qui se régénère quand vous tuez des monstres ou en dehors des combats. C'est ça. Mais toi, du coup, j'aurais quand même pris X amandre. J'aurais pris. Justement, j'ai vu un truc sur MMU où justement il disait que tu pouvais cumuler jusqu'à 6 brûlures sur un mec en fait. Et genre, du coup, tu mettais des dots de fou en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils jouent beaucoup. Après, les gens jouent beaucoup Liandry sur MMU. Ah, bah oui, je sais. Visage de Liandry. Mais, et le nouvel item, le torche machin. Ah, ça c'est incroyable. Aussi. Et ça je vais le prendre justement. Mais toi, avec toi, en fait, c'est tous les personnages qui n'ont pas assez de burst prend ça. Tous les mages qui n'ont pas assez de burst, pardon, et c'est. Je me suis mal placé. Hein. Ah putain, il y a deux Morgana. C'est pas possible pour le lore. Mais je veux dire, pour le lore. Manque, clairement. Ah, il est déjà level 2. Non, non, pas du tout. Ah, elle a pris la flaque au tout début. Intéressant comme choix. C'est pas mal, hein. Si t'as peur de te faire poke, tu prends la flaque, au moins tu prends un régène. Pas la flaque, toi? Non, j'ai pris le stun dès le début, c'est pour t'aider. Pas du tout, faut prendre la flaque. Parce qu'en fait, tu peux farmer ta quête plus facilement, tu poke et tout, c'est beaucoup mieux. Ouais, vous êtes déjà fait gank? Ouais, c'est terrible. Non, pas ça! Je mange tout. Oh la cage de zinzin que t'as mis. Oh la cage de zinzin qu'il a esquivé. Oh, elle s'est mangée un coup de tour. Vas-y, bouffe-la. Mange-la. Croque-la. Bravo. Voilà, ça c'est mon champion. Par contre, avec ses plumes là, elle me casse les couilles. Je la déteste. Je n'avais pas imaginé une telle splendeur depuis. Mais en plus, elle a la portée cette conne. Je jure. Mais crève toi. J'ai dit crève. Elles sont en train de prendre tarot là, par des sbires. Hop là, je t'ai touché. Ah, mais faut que j'arrête de rester dedans, je suis un débile. Hmm.
me décales sur moi ou pas? Ah, je décale, je suis en train d'arriver. Oh, il m'a tué quand même, putain. Je sais qu'il a un niveau de moins que moi, il me défonce. Non, putain, je suis dégoûté, vas-y. Flash, putain. Pardon. Ça venait du cœur, c'est le plus important. Ouais, ça me cave, putain. Elle joue comme un pied, cette salope, là, et... C'est d'être le support le plus gentil du monde. Alors, par contre, là, en vrai, c'est un coup à se faire gank. Elle est dedans, cette débile. Oh, la cache que j'aurais mis si elle était passée. Ah, mais dégage ta mère, toi. Tu veux quoi? Et toi, t'es coincé avec moi. Bouffe-la. Oh non, quel dommage. Elle fait barrage. Oh, elle a eu un kill. C'est bon, c'est cool. On te laisse un coup se faire gank. Là, on est à 2 PV. Je vais aller voir pour mettre une ward. Merci. Je suis rassuré maintenant. Ilaoi contre Timo, ça passe? On s'est entretué tout à l'heure. Ça, en fait, en vrai, Ilaoi, elle le bouffe, non? C'est quoi ce dégât de zinzin qu'elle met en point and click, cette salope là? En point and click. Mais attends, ça va pas, t'as besoin de 300 en juste le courant dessus. Qu'est-ce que je joue vite. Je vais commencer par une torche. Je connaissais pas la torche noire. Attends, ouais, tu peux jouer une torche. Je vais ça, on va prendre ça. Je vais pas perdre plus de temps. Je voulais attendre un petit peu 1200 pour avoir le codex chelou là, mais. Faites attention. Ah, la tour elle se crash. Enfin, la vague elle se crash. Vas-y, cours, Virgile. On peut pas fight, hein. Ok, on peut fight. Si, on peut. Ok. En fait, le problème, c'est qu'elle est level 6, pas moi. Bon, ça va. Quelqu'un me décale? Ah bah, c'est une meilleure. Et pourquoi moi, ça le lance pas? Okay, tiens, bon, voilà. Merci, Tanguy. J'ai rien fait. Non, mais je te demandais de me décaler. Oui, mais je pouvais pas, je t'ai occupé. Demande à une autre Morgana moins occupée. Je suis en train de galérer à poser une flaque là, parce que bien sûr mon jeu. Ah ouais, super. Mais en même temps, je clique là, je fais Z-click et ça leur suffit pas, ces gros chiens. Oh, ça c'est pas ça, cool. Pars. Ça c'est pas je vais cool. Serrer. Non, ça va m'énerver ça. Spire de merde là qui se passe. Non, ça va aller. Vas-y, marche sur un flac, vas-y, marche. Est-ce qu'il y a, t'as peur de marcher? En même temps, c'est sûr que tu te prends un missile magique si c'est le cas. Donc... Je vais aller ward le Drake peut-être. Je sais pas ça, mais le racisme envers les êtres déchus ici, c'est incroyable, hein. Eh, ça va, toi? Tiens, bouffe ta mère. Punaise. Ils ont pris cher tous les deux. Non, j'ai voulu te soigner, frérot. Tu peux défendre ma mid lane ou pas, Virgile? Tu veux que je prenne ta mid lane? Ouais, s'il te plaît, juste le temps que j'arrive. Pour pas que ça l'écrase les sbires au moins. Ah, allez, tiens, chef! Vous avez vu? Attention! Non! Non! J'ai du black shield, je l'avais pas. Ah, dommage. Allez, tiens, va te faire foutre. Heureusement que je joue pas bien. T'as eu de la chance. Merci, Jorge, pour la midline. Non, putain, mais d'où il sort lui? J'arrive. J'ai plus de vie. Alors, let's go. Si vous venez de tous là, moi je. Le shield. Merci. Parfait. SS mid, attention. Je code Drake du coup. Tu peux, mais attention à la mid lane.
Vas-y, j'arrive. Ouais, bon voilà, elle est là. Mais au calme. Le shield. Par contre, Caitlyn est en train de partir. Oh putain, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tanguy. Mais pardon, je décale, pardon, j'arrive. C'est juste que je savais pas ce qu'elle faisait. Genre, elle vous a traversé, il y en a pas un seul qui a réagi. On a laissé passer. C'était hilarant. Je vais. Pour l'activité, il se fait tard. Oh bah pour l'instant, j'ai tous les objectifs. Ah, c'est nickel, hein. Tu la merde, le jungle en face. Tu es trop fort. Hein. Ah ouais, merde, il m'a tué deux fois déjà. Mais Babette joue bien, franchement, elle joue bien, juste elle joue pas les objectifs. Tanguy est meilleur en fait, la Virgile est meilleure, pardon. Non, fous-moi la paix! Non, il m'a volé mon raid. Non, mais mon ult il est trop lent, c'est trop à chier comme putain d'ult à la con, mais pourquoi? Pourquoi on me donne cette merde? Oh là là. Allez, stoppé. Non, une Aoi! Non, une Aoi, t'as un skill shot, tu es loupé! La Kakabouros, putain, c'est toi Kakabouros là. Non, reste, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je te sens plus pli. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Merci. Bah, heureusement que Caitlyn est là pour me sauver le cul. Enfin, ouais, je suis mort qu'une fois en fait. Je pensais avoir été mort au moins 10 milliards de fois, mais ça va. Je back. Allez, rapproche-toi. Non, elle m'a stun cette saleté. Et je peux pas lancer mon truc. Allez, super. La perte de dégâts. Je me traîne du cul, j'ai pas encore acheté mes bots, je suis un connard. 2 PV. Oh, mais ça aussi, ça va me saouler. Je suis salé, saoulé. Je suis... Un peu d'avance sur moi, avec là. Elle éclate juste, mais elle éclate. Cesse, attention. Je me casse, autant elle est là, elle m'attend. Elle m'attend dans le bush pour me faire le cul. Merci, elle m'a dit je suis là, mais je suis trop tard. Ah, mais chiché, ouais, on déteste tous. Ok, elle est revenue sur la lane. Tant mieux. Je meurs. Comme dirait Virgile. Ah, j'ai eu les 6 larves. Hein. Eh ben nickel, les 6 larves, tous les drakes, pour l'instant ça va. Hein. Ah, tira pas dessus si je la grave là. Si j'ai raté. Waouh, la portée aussi. Attention. Non mais top. Non. Bon vas-y. Virgile, un mago. Ouais, j'arrive. Continue la tempo. Parti pour les bots. Merci le boss. Ils ont détruit la ward de Drake. Putain, et là ils vont nous prendre toutes les plaques du monde et on va arriver en retard. Hein. Non, c'est bon, ouais. C'est bon. T'as vu. J'arrive sur toi. Hein. Alors, j'essaye d'arriver sur toi. Je la fight. Is ward mort. Oui, mais frérot, faudrait ward mort. Si je pars ward, toi tu vas te faire éclater. Oh putain. Waouh, mais genre ça touche pas. Oh, mais faut arrêter. Hein. Ouais, c'est abusé. Non, vas-y. Oh, je vais essayer d'aller bot, hein, donc meurs pas. Putain, dommage. Moi qui avais une folle envie de mourir. Non mais je te préviens, c'est tout. Ah ouais. Je sais. Non, du flash. Trop con. Là, il a Aoi en même temps qu'il finit la game. Il a Aoi qui est en train de ravager tout. Ouais. On continue. Ok, on continue.
Elle a un skin, Caitlyn, stylé. Hein. Beaucoup. J'aime beaucoup son rappel. Attends, faut prendre quoi là, j'en peux plus. Liandry. Et il me faut Zonia. Oh putain, je vais. Bon, je suis en Et il faut prendre la pique dimensionnelle de Zazak. Voilà. Je peux cette wave, mais j'arrive bien. Je vais partir sur un Liandry. Prendre Liandry. Je pars sur un petit Liandry. Je rigole plus là. Il faut que je finisse mes bottes aussi, quelle terreur, quelle horrible chose. J'arrive, survie. T'es un enculé. Bisé, glacé. Tu as volé mon Drake, je l'ai vu. Non mais tu... dans tous les cas ça ne change rien, tu n'as pas de sous en plus. Je l'ai vu, tu m'as menti, tu m'as volé mon Drake, je te déteste. C'est bien les semelles symbiotiques. Franchement, c'est le feu, mais pas avec un mumu. Ok, d'accord. J'aurais pu acheter quand même les bottes au moins. Si, si pour l'instant, j'ai pas lâché quoi d'acheter quelque chose. Oh, je vais tellement crever. Cache-le, cache-le, cache-le. Bien joué. Maintenant, la zone, la zone. Mais ah, oui, je l'ai pas. Ah, c'est bon. Genre tu l'as pas, fais pas genre tu l'as pas. Mais je l'avais déjà lancé. En tout cas. C'est GG. Pas genre que tu l'as pas. Mais fais pas genre, sors là de ton cul, dépêche-toi, allez. Je viens de remarquer que les larves sont tout particulièrement mignonnes. Toutes pleines. C'est incroyable. Je crois que c'est pas le but, je crois. Ah écoute, elles sont toutes mignonnes. Mais attends, je vais te capter, c'est Belvette en plus en face, elle a fait aucun objectif. Alors que son passif, c'est qu'il faut qu'elle fasse des objectifs. Oui mais c'est terrible hein. Ah, je me souviens, à l'époque, je jouais Belvette. Je suis navré frérot, j'ai pas vu. Ouais c'est vrai, à une époque. Un red top si vous voulez. Non mais qu'est-ce que je fais. Je me suis trompé de spell, je voulais me mettre un shield. Je suis 6 mousse. Je suis 6 mousse du cerveau, c'est incroyable. J'arrive sur toi. Bot de lucidité. En vrai qu'est-ce que... Non je peux regarder à chaque fois. Ça, ouais en vrai bot de lucidité. Ou alors botte de célérité, punaise, je sais pas. C'est tellement dur. Je suis tellement triste. Botte. Ouais, franchement, moi aussi. Ouais, les bottes de solidité. Et du coup, je parce qu'elle a archi mal joué. Elle a archi mal joué. Elle a quand même survécu, la pute. Les mots, voyons. Ah oui, mais en fait, vous êtes en train de terminer la game, en fait. D'accord. Non, c'est juste les sbires qui terminent la game, ok. Marge, j'ai oublié notre tour. Bah, de toute façon, elle va tomber. Hein. Tant qu'on arrive. Non, c'est bon, elle est pas détruite, elle est pas détruite, elle est encore debout. Toujours vivant, rassurez-vous. Les ténèbres ne sont pas le mal. Quoi ? Elle a vraiment fait ça, elle, là ? Elle est arrivée sur la wave, et elle a ignite, elle est repartie aussitôt. C'est tout ce qu'elle a fait. Ah. Et voilà. J'ai vu le tir. J'étais là. Super bot. J'y fus. Ah oui, tu y étais. Oh non, arrête de récupérer des PV, toi. La tour qui récupère des PV comme ça, comme si de rien n'était. Ah, c'est un nouveau perso qui vient de sortir. Il heal les tours. Mais que les trois. Si ça existe. Si ça devait exister, ce serait terrible. Ah, mais je me battais encore, moi, les gars. Là. Hop là. Allez là, elle flambe, elle meurt. Oh vas-y. Mais elle fait genre, elle va mourir là, dans 2 secondes elle est morte. C'est sûr qu'elle va mourir dans 2 secondes. Ah, pas si j'ai fait le multi. Grazie. Grazie mille. Ah putain, elle a vu. Ah j'ai touché quelqu'un. Allez, va dans mon œil là. Allez, meurs là, je sais pas, prends des dégâts, fais un truc. Fais un truc qui va dans mon sens un peu là. Elle va tourner sur elle-même, ouais. Non. Ouais, bientôt, t'inquiète. Ah, j'arrive. Toujours c'était passé sur moi.
Non mais me vise pas, c'est faux. Oui, t'inquiète. Et toi t'es mort, salut, bonne chance. Voilà. Ah c'est moi qui l'ai tué en plus, je l'ai own. Non mais pourquoi moi? Tout ça parce que je suis noir hein. Oui ça va, attention. Petite nature. Demacia n'a rien appris de ses preuves. Je crois que je t'ai volé un tout petit sbire. Déteste. Je t'ai volé juste 8 PO. J'aimerais que tu meurs. J'ai pas de smite. Hein. Ah, bah on va devoir le DPS très fort. Ils ont pas de jungle. Mais ça va. Non mais ça va, la Caitlyn elle défonce. Voilà. Belvet là, pas loin. Je l'ai vu. Elle est là. Là, il y a l'autre. Regarde-la. Oh là là, on va la catch. Vas-y, catch la. Oh putain, tu l'as vu. Elle est là, je suis agile. J'ai touché. Elle, nous a... elle vient de scanner, elle vient de scanner. Elle est passée par là. Elle est là, on voit son, son petite bestiole là. Tu l'as touché. Vas-y, remonte, moi je vais passer par là. Il est là, elle est là. Ouais. On la voit. On lâche pas, on lâche on pas. On se prend un coup de tour. Oui, Virgile, non. Oh, mais oh, elle est là, elle est trop conne. Elle est foutue, elle est foutue, elle est foutue. Non, mais c'est impressionnant les esquives qu'elle fait là. Ouais, mais en vrai, après c'est fini. Hein, le... Après, elle en a plus. Lâchez pas, ne lâchez pas. Bah, oh, quel dommage, ils ont fini la game. Ils ont fini, ok. Ah, oh. Je l'ai tué. Ils sont pas gentils. Je vais m'amuser. Suraine en plus. Oh, elle tempo en fait, elle a tempo. Tristesse. A plus. Eh bah écoute, c'est une note. Ça vaut un 18 sur 20. Donc. Mise à jour sur votre retour, vous avez sanctionné un joueur qui a quitté. La partie où a été inactif. Bah écoute. Quoi ? Qui donc ? Mais j'ai fait 2000 de dégâts. Ouais mais en vrai ça va, t'es pas censé faire des dégâts, t'es... Tu sais... C'est le team off. Bah, en vrai... Mais au niveau... Il est horrible. Mais... C'est 843, je suis plus nul de la game. J'ai... Mais non, mais regarde, combien de stun, combien de stun, combien de bandelettes t'as fait, a été zéro. Alpha, il a fait zéro, j'ai touché personne avec une bandelette. Non mais attends, attends, parce que il y a quand même un palmarès où tu, que tu as, c'est quand même les objectifs. Oui voilà, en vrai des objectifs t'as été... En vrai ça va, oui. Au niveau des objectifs t'as été... un vrai monstre. Bah après, après clairement la Belvette en face était là mais sans être là. D'ailleurs j'avais très envie de rejouer Belvette. Ouais ça date hein, Belvette. Ça date mais j'ai très envie. Bref, et eh bien écoutez messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et je ne sais pas si bien, je voilà. Referai. Regarde, si tu veux, je peux te faire une petite rame de fin si tu veux. Oui, une rame de fin, j'aime bien. Allez, on finit sur une rame. Une rame de fin. Et moi, je vais vous laisser tomber. Eh bien, passe une bonne nuit. Bien, passe une bonne nuit également. Et puis, voilà. Du coup, Lucas, tu travailles jeudi ou pas? Non, pas ce jeudi-là, ça commence à partir de jeudi prochain. Et voilà. Et du coup, en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux Twitter, Instagram, TikTok. Enfin, pas Thread, non. Discord, YouTube, bref, vous avez compris, tous les réseaux, que ce soit en bio ou en description. Je vous dis pour un prochain live, les plannings cette semaine, c'est un petit peu le foutoir, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je suis juste fatigué en fait. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, buvez de l'eau, à la prochaine. Et où est le bouton pour arrêter le streaming? C'était que ça mangeait? Non!